Bonsoir tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Merci pour nos invités, merci, quel accueil extraordinaire. Bienvenue sur le plateau de Ça se discute, bienvenue à tous nos invités qui sont avec nous aujourd'hui. Vous les avez peut-être aperçus à la une de la presse People, et pourtant nos invités n'avaient rien demandé de particulier. Ils portent un nom célèbre, mais ce ne sont pas des célébrités. Ils ont le privilège de connaître des secrets, des stars de la chanson, du cinéma, de la télévision, de la politique, mais ils en payent parfois le prix fort. Ils vivent en apparence un conte de fées, mais en réalité, ils n'ont le droit à aucun passe-droit, à aucun piston. Ils n'ont pas vraiment la parole. Et ce soir, pourtant, ce sont eux les vedettes. Mes invités sont des femmes, des mères, des frères, des cousins, des nièces. De trois petits points. Comment vit-on la célébrité d'un proche? C'est la question à laquelle vont répondre nos invités. Sans tabou et sans langue de bois sur notre plateau ce soir, je demande de réserver le plus chaleureux des accueils à ceux qui, généralement, restent dans l'ombre. Merci d'accueillir nos invités. Delphine d'abord. Bonsoir Delphine. Enchanté de faire votre connaissance. Enchanté. Alors tout le monde connaît votre nom de famille. Vous avez une famille vraiment célèbre. Un oncle, une cousine, oui. Un cousin. Oui. Ça en fait du monde. Quel est ce nom si célèbre? Eh bien Depardieu. Ah oui. Vous avez déjà entendu parler de ce nom? Oui. Incroyable. Il est qui par rapport à vous dans votre famille? C'est le frère de mon père. Ah oui. Vous nous raconterez votre vie, vous nous raconterez aussi quel choix professionnel vous avez fait, comment votre famille a réagi, et en particulier votre oncle, votre cousine et votre cousin. Je vous demande d'accueillir Luce qui est avec nous aussi. Merci. Merci. Qui est connu dans votre famille, Luce? Ma fille. Depuis longtemps? 10 ans. Quel âge a-t-elle? 17 ans. Ah oui, elle a commencé jeune. Oui. Elle a commencé sa carrière à 7 ans. Ça oui. fait donc depuis 10 ans maintenant qu'elle est connue en tant qu'actrice. Oui. Où est-ce qu'on peut la voir? À la télé. Oui. Dans quelle série? Dans Sous le soleil. Sous le soleil. Elle tient quel rôle dans Sous le soleil? Clara. Clara. Ah, vous connaissez Clara. qu'est-ce qui est le plus compliqué à vivre pour une maman quand on a une petite fille qui est si célèbre depuis si longtemps? De la protéger. De quoi faut-il la protéger? Des fans? Des critiques? Des jalousies? Pas des fans, de la jalousie. Énormément de la jalousie, oui. Vous nous raconterez tout ça. Bien sûr. Luce, bienvenue sur notre plateau. Merci. Je vous demande d'accueillir Pierrot, qui est avec nous. Où êtes-vous, Pierrot? Des millions de spectateurs connaissent votre visage depuis l'été dernier. Vous avez fait récemment une demande en mariage sur un plateau de télévision en direct. Oui, c'était sur TF1, oui. Dans quelle émission? Secret Story. Secret Story. Vous êtes le fiancé d'Isabelle. Voilà, tout à fait, oui. Exact. Joueuse de hard rock. Pas joueuse, mais grande amatrice de musique métal. Oui, tout à fait, oui. Qui était une des candidates très en vue de la célèbre Maison des Secrets, qui est votre compagne depuis quelques années déjà. Ça va faire 8 ans le 1er décembre déjà. Ouais. Et célèbre depuis peu, là, en revanche. Oui, donc l'émission a commencé le 27 juin, pardon. Elle est sortie le 8 août. Ça fait 2 petits mois, quoi. Voilà, ouais. Auprès d'elle, vous vous sentez comment, désormais? Pas très très bien. C'est une célébrité que je vis assez difficilement. Mais bon, on essaie de continuer malgré tout, mais c'est pas évident tous les jours, c'est sûr. C'est plus difficile qu'avant? Ça a changé les choses? Oui, ça a énormément changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de notre couple et... Donc voilà. Pourtant, vous l'avez demandé en mariage et elle vous avait répondu oui. Voilà, tout à fait. On verra la suite des événements. Marilyn est avec nous aussi. Oh, Marilyn. Peut-être que vous pouvez nous dire, Marilyn, quelle est la chanson qui a rendu votre fille célèbre? Toutes les femmes de ta vie. Toutes les femmes de ta vie. Vous connaissez? Ça fait quoi d'entendre la chanson comme ça? C'est comme le premier jour ou pas? Dites-le en tant que maman. Pareil, comme le premier jour, ouais, oui. Qu'est-ce que vous ressentez alors? Beaucoup d'émotions et de fierté. Ça a été un succès fulgurant, mais un succès partagé, ce qui est un succès quand même. On partage le succès, ça se partage. Oui. Elles étaient 5, et elles 5 forcément. Alors, laquelle était votre fille? Marjorie. Marjorie. Et toujours votre fille? Toujours ma fille. Elle l'était à l'époque, elle est encore aujourd'hui. C'est extraordinaire. Vous vous ressemblez beaucoup. Je crois que vous êtes très proches l'une de l'autre. Très proches, oui. Ouais.
Alors, vous avez vécu ce succès soudain de très très près. Je crois que pour les mamans, c'est quelque chose d'extrêmement fort, entre fierté et angoisse. Alors, on verra pourquoi vous avez angoissé, vous. Vous direz comment vous avez vécu l'intrusion du phénomène People dans votre vie privée, à elle, mais aussi à vous, par rebond. C'est toute la famille qui est touchée. Alors, Eliane, Christiane et Sam sont avec nous, sont nos invités. Bonjour à tous les trois, bienvenue. Voilà, merci de votre accueil. Le point commun de mes trois invités, c'est qu'ils doivent affronter aujourd'hui, je dirais depuis peu, depuis cette année en fait, 2008, les fans. Affronter les fans, alors souvent c'est plaisant, parfois c'est un peu déstabilisant, ce que nous a raconté Sam pendant cette émission. Mais également la maman et la sœur, une autre sœur est dans le public, on verra de qui. Dans votre entourage, qui est devenu donc soudainement célèbre. Je vous propose de regarder un aperçu d'un reportage qu'on verra un petit peu plus tard dans cette émission. Personne ne sait qui ils sont inconnus du grand public. Leur point commun, ils ont une célébrité dans leur famille. Eliane Bernard est la mère du champion olympique Alain Bernard. C'est une inconditionnelle de son fils. Qu'il est beau. Sam est le petit frère d'Icar, ex-candidat de la Nouvelle Star. Il n'a pas raté une seule émission. Il a fini, lui aussi, par attirer les projecteurs. Quand on me demandait les autographes devant Baldar, où je signais le frère d'Icar, maintenant, aujourd'hui, je refuse. Cédric Anthony est le fils du chanteur Richard Anthony. Il a grandi avec un père célèbre. C'est beaucoup plus facile de dire « je te présente Cédric Anthony, qui est le fils de Richard Anthony », que de présenter un inconnu. Comment vivent-ils la célébrité de leurs proches ? Jalousie, admiration, ras-le-bol, nous les avons suivis pour essayer de comprendre. Personnellement, j'ai jamais voulu être célèbre. J'ai pas envie de trop m'impliquer. Je vais couper mon téléphone, je vais plus répondre. Là maintenant, je crois qu'on a assez donné et on va le garder un peu pour nous. Merci d'être avec nous ce soir. C'est une belle preuve de confiance que de venir partager votre expérience avec les téléspectatrices et téléspectateurs de Ça se discute. Soyez les bienvenus en tout cas, on va parler évidemment de votre fils, de votre frère. Les fauteuils sont vides, des invités vont nous rejoindre dans un instant. D'autres invités vont venir dialoguer avec nos invités, mais tout de suite on va accueillir notre témoin privilégié qui est un chanteur depuis quelques temps déjà. C'est pas de cette année vraiment, puisqu'il va fêter ses 30 ans de carrière cette année. Le sujet que nous abordons aujourd'hui l'intéresse tout particulièrement, vous connaissez bien ce sujet. Et oui. Pour avoir protégé des personnes de votre entourage. Je vous demande d'accueillir Dave qui est avec nous. Bonsoir Dave. Voilà. Parce que la célébrité, évidemment, c'est très plaisant, mais c'est aussi compliqué pour ceux qui la vivent de près ou qui la vivent par rebond. Vous avez protégé qui de la célébrité, vous, pendant votre carrière, Dave? C'est surtout la personne avec laquelle j'habite depuis 36-37 ans, je crois. 36-37 ans. Donc c'est évident que quand on vit en couple, et que moi, la première chose qui me gênait beaucoup, c'est qu'on lui tend... un appareil photo pour me prendre photo, on l'enjambe, on le pousse, bougez-vous de là, etc. C'est comme très, très embêtant. Est-ce que vous pensez que ça peut être pesant pour les célébrités? Il y a sans doute des messages à délivrer, à faire passer ce soir à tous ceux qui abordent des personnes sans voir ceux qui sont à côté d'eux. C'est extrêmement pesant suivant les conditions dans lesquelles on se trouve. Quand on sort de l'hôpital parce qu'un ami à vous vient de mourir, j'ai vécu ça, et qu'on est moitié larmes et que des gens viennent vers vous, vous demander l'autographe, c'est légèrement pesant, oui. Nous proposerons également dans cette émission, comme chaque mercredi cette saison, de prendre des nouvelles de nos anciens invités. Ça se discute, fait, cette année, c'est 15 années. Alors, c'est une petite présence. C'est bizarre. Hein. Non, mais ça nous fait bizarre à nous aussi. Hein. Ouais. Ça va être très chaleureux. C'est très émouvant, mais c'est vraiment très spécial pour toute l'équipe, parce que sachez qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent toujours pour cette émission depuis 15 ans, qui me supportent, mais surtout qui, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Vous êtes nombreux à nous demander de nouvelles de certains invités, et on vous en donne très volontiers. Il y a les forums pour ça, il y a aussi les lettres que vous envoyez à Réservoir Prod. Mais cette fois, on a décidé de les faire revenir sur le plateau, donc des invités qui nous ont marqués, qui vous ont marqués, dont on a cherché souvent à avoir
des nouvelles, des invités qui sont venus ici et partager leurs expériences, qui sont au fil de ces 15 ans, quand on s'est repassé toutes ces bandes avec l'équipe, on a l'impression un peu de voir notre société à travers son visage le plus humain. Voilà, je ne sais pas ce que vous en penserez. Certains d'entre eux sont avec nous ce soir, 4 d'entre eux, je demande de les accueillir. Alors, Hélène et Christian nous diront ce qu'ils sont devenus après leur premier passage dans l'émission. Quant à Cindy, donc, certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, sans doute connaissent la suite de son histoire, mais c'est sur notre plateau que la chrysalide s'est révélée être en fait un papillon de lumière. Ça s'est passé ici, enfin, sur les fauteuils juste en face, Cindy et Sébastien, puisqu'aujourd'hui on parle d'entourage et de célébrité. Leur vie a beaucoup changé, depuis ça discute, et comme pour Ricard et son frère Sam, depuis la Nouvelle Star. Voici quelques images qui vous rappelleront quelques souvenirs, donc beaucoup d'émotions, puis aussi des occasions de voir que le temps passe et que ça se voit. Ce soir, en fin d'émission, retrouvez les invités marquants de Ça se discute. Depuis 15 ans, ils sont plus de 8000 à s'être confiés sur ce plateau et à témoigner des évolutions de la société. 15 ans de témoignages, 15 ans d'expérience de vie, 15 ans de partage. Souvenez-vous, il y a un an, une parfaite inconnue nous avait avoué son rêve, devenir une star. Elle s'appelait Cindy Sander. C'est quelque chose qui est en moi, j'ai envie de réaliser mon rêve. J'ai besoin de réaliser mon rêve, j'y crois très fort. Je sais que je suis prête pour ça. C'était quelques jours avant le fameux casting de la Nouvelle Star qui l'a rendue célèbre. Depuis, les choses ont changé pour elle et son mari. Nous les avons suivis dans leur nouvelle vie. Hélène a également répondu présente à notre invitation. En 2005, elle avait rencontré Eddie en 7 minutes chrono. Nous saurons tout à l'heure s'ils sont toujours ensemble. En 1999, nous avions dû nous battre pour faire venir Christian. Agoraphobe et boulimique, il ne sortait quasiment jamais. Je précise que vous avez tenu à vous asseoir dans ce coin du plateau. C'est exact, parce que ici, je me sens plus à l'aise pour sortir si nécessaire. 9 ans plus tard, il nous fait l'honneur d'être à nouveau avec nous. Il nous dira s'il a pu surmonter ses angoisses. Ça se discute, 15e saison, c'est tout à l'heure. Ah, c'est chouette. Ouais. À tout à l'heure, je suis content de voir que vous êtes tous revenus. Et que vous êtes revenus, ça fait 9 ans qu'on ne s'était pas vus. Avec plaisir. C'était difficile de venir la première fois, j'espère que c'est plus facile aujourd'hui. C'est beaucoup moins difficile aujourd'hui. Bon, tant mieux, tant mieux. La parole est aux familles de célébrités aujourd'hui dans cette émission. Aux familles, promis. Comme Sam le disait, ça fait plaisir. Mais on n'a pas pu résister au plaisir de réunir quand même certains people qui font l'honneur de venir donc accompagner ceux qui sont habituellement dans l'ombre pour mieux les servir et les accompagner le jour où ils viennent s'exprimer pour de vrai, une bonne fois pour toutes. Voici Marjorie, Delphine et Icar, les supporters de nos invités. Rebonsoir. Rebonsoir, Cara. Salut, Cara. Alors, comment vous vous installez? Oui, c'est ça. Oui, ça y est. Ah oui, on n'a pas pu savoir tout le monde, donc votre maman est derrière vous. Icar, quel souvenir vous gardez-vous de cette date un peu étonnante qui était le 10 décembre 2007? Ben, je dis étonnante parce que ce n'est pas fréquent que deux frères se rendent ensemble pour passer un casting. Oui, non, ça c'est sûr. Bon, il y avait un certain décalage au niveau du temps, donc on n'y est pas allé en même temps. Il allait dans un premier temps, il m'a dit que ça ne s'était pas bien passé. Moi, j'étais à la moitié de la file d'attente et on était bien 6000 dans la file sous la pluie. Donc, à moitié, au bout de 3 heures, je me suis dit, on fait demi-tour. Faire demi-tour à cause de la queue ou parce que votre frère avait loupé, que vous aviez peur de lui faire aussi de la peine? Un peu de tout, c'était un peu de... En fait, quand il a passé le premier tour, moi, j'avais déjà passé le premier tour. En fait, moi, j'ai passé le premier... Vous aviez réussi le premier passage. Ouais. Donc, quand lui a fait cette fameuse queue interminable des 6000, moi, c'était 12000, c'était le premier jour. Mais incroyable. Et 9 heures de queue sous la pluie et tout, bref, une horreur. Et lui, quand il est allé, moi, j'avais déjà passé, en fait. J'avais déjà passé, j'avais réussi le premier tour et j'attendais donc pour le deuxième. Alors comment, c'était quelle ambiance à la maison quand vous vous êtes décidé la même année? Parce que ça aurait pu être l'année précédente, vous êtes un peu plus âgé que c'est votre petit frère. Oui, absolument. Vous avez 4 ans de différence, 3-4 ans de différence? 3 ans. 3 ans de différence. Comment vous vous êtes décidé que ce soit... Qui est-ce qui a eu l'idée la première? C'était moi. Vous, le petit jeune qui aurait pu attendre alors? Et ça a donné l'idée à Icar de venir lui aussi? Non, parce que Icar ne s'est pas inscrit de lui-même. En fait, c'est une amie à moi, une amie à lui, une amie à nous, qui l'a inscrit sans lui dire. C'est comme ça que ça s'est fait. Comment il a réagi? Bizarrement. J'étais très dubitatif. Est-ce qu'il fallait vraiment que je fasse ça? Est-ce qu'il va? Parce que j'avais un,
J'avais un travail. Un vrai métier, comme dirait les parents. Un vrai métier, comme il m'a dit, je m'en fous, je le fais pas. Ouais, je le fais pas, et voilà. Donc, et tous les deux, vous chantiez déjà? Oui, moi j'écrivais plus qu'autre chose. J'écrivais, je composais et je chantais un peu et on chantait ensemble. On est dans deux registres assez différents. Mais objectivement, vous connaissez bien tous les deux. Objectivement, d'après vous, quand vous avez su que tous les deux vous y alliez, alors depuis Abel et Cain, deux frères, hein, c'est la compétition, non, c'est la rivalité, c'est aussi la complicité. C'est toujours un peu entre les deux, non? En même temps, moi je suis sorti très tôt du casting. J'ai été éliminé au deuxième tour, donc du coup, j'ai très mal pris sur le coup au début. Et puis après, finalement, on prend du recul et puis on passe au-dessus, quoi. On passe au-dessus et puis... Puis entre la rivalité donc, et la complicité, il faut essayer de retrouver... En fait, voilà, ça se transforme. C'est quelque chose qui se transforme. Et puis moi, c'est quelque chose que j'ai senti, en fait. Quand lui m'a dit... Moi, donc, je venais d'être éliminé par deux oui et deux non, donc du jury. Et lui, donc, le lendemain est passé et m'appelle. Oui, je suis dans l'ascenseur. Ça s'est super bien passé. J'ai eu quatre oui. Je vais au théâtre. Alors, ma première réaction, c'est génial, c'est super, hyper content, ouais, hurrah. Je raccroche. Alors là, c'est consternation, mais complète. Je le vis vraiment pas bien. Et puis, le lendemain, finalement, ça s'est passé. Je sais pas, mais dès qu'il m'a dit qu'il avait eu les 4 oui... Sur le coup. Ça y est, je l'ai vu à Baltar, en fait. Quand il m'a dit qu'il avait eu les 4 oui, je l'ai trop bien senti. Alors du coup, j'ai un peu reporté tout ce que moi, j'avais mis comme espoir, comme attente. Sur vous-même, Sam ? Sur moi-même, bien sûr, j'ai tout reporté sur lui, quoi. Et donc, du coup, d'ailleurs, pendant les périodes de casting, j'étais pas à Paris, et on se parlait, et je suivais tout, quoi. Qui avait le plus de chances, objectivement, d'être qualifié pour la... Carrément, mon frère. Sam ? Ah oui, sur un plan technique, enfin, il a une formation lyrique, enfin, il chante, il me... Si on fait des battles comme en danse, comme ils disent, il me met à l'amende, clairement, quoi, donc... Voilà, c'est un peu ce qu'on m'a reproché aussi tout le long de l'aventure. C'est mon manque de justesse, mon manque de formation technique, j'en ai aucune. Je suis entièrement autodidacte. Donc, Ce qui fait que vous exprimez avec beaucoup de personnalité. Voilà. Je vous ai dit avant l'émission que j'avais la chanson Bang Bang sur la page d'accueil de mon ordinateur, je la regarde de temps en temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalité dans ce que fait votre frère. Et dans cette chanson, on vous voit beaucoup à l'image. Et on vous voit en train de soutenir Icard. Oui. Et quand on voit ce que vous avez traversé, c'est beau de voir que, bah, que Abel et Cain, c'est pas forcément... que les frères ne sont pas forcément des éternels rivaux, comme veulent le penser certains. Les rôles pourraient donc être inversés. Donc ce soir, Icard est dans l'ombre, il est venu rendre hommage à son frère qui l'a soutenu pendant longtemps. Vous avez assisté tous les deux à tout ce qui s'est passé à la télévision. Est-ce que vous avez revu des images ensemble? Comment avez-vous vécu ensuite la sortie de Baltar, la célébrité soudaine d'Icard, alors que Sam est resté dans l'anonymat? Est-ce que là, il y a eu une rivalité qui est ressortie malgré soi? On ne se contrôle pas toujours. Vous avez accepté de vous confier en tout cas à nos journalistes, Corinne Biès, Sébastien Giraudon et Mohamed Mahmoudi. On se souvient tous d'Icard, ce chanteur au regard habité qui a marqué la dernière saison de La Nouvelle Star. Centaines de fans et parmi eux Sam, son petit frère. Il l'a soutenu sans relâche du début à la fin, arborant le fameux t-shirt Icard. Très vite, il s'est lui-même fait remarquer et régulièrement interviewé sur son frère. En fait, Icard, il a toujours eu un double, une espèce de double personnalité où on le voit à la maison hyper déluré, rock, à fond dans son art et puis d'un autre côté hyper sérieux, hyper strict, donc dans son boulot. Quoi qu'il en soit, dans tout ce qu'il fait, il le fait bien. Donc c'est ça l'important, et puis là, c'est super, quoi. Icard a été éliminé en quart de finale. Mais pour son petit frère, rien n'a changé. Il est toujours aux côtés d'Icard qui enchaîne les concerts. Nous sommes au Cirque d'Hiver. Icard doit chanter 3 chansons de son album en préparation. L'artiste a le trac. Heureusement, son ange gardien est là. Moi, je lui fais confiance, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Chance. Ça va se passer, je te regarde. Tu peux le dire ? T'inquiète. Une vie de soleil, c'est un désastre. Mais la lune me répond, dis, ne suis-je pas un bel astre ? Il y en aura un pour toi aussi, et celui-ci. Si c'est le sol qui brille, il sonne, sonne, sonne. Dans ma tête, comme une douce mélodie. Mon corps résonne, non, 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 non. Dans mes veines, recette douce.
surprenant. C'est vrai. Ouais, je t'ai regardé. Quand j'ai joué, j'ai rigolé. J'ai Alison, j'ai regardé. J'ai rigolé. C'était cool. Par son frère, Sam a été médiatisé. On l'a vu chaque semaine à la télé pendant des mois. Ça laisse des traces. Pendant la période de Nouvelle Star, quand on me demandait les autographes devant Baltar, bon, je savais bien que c'était à cause de tout l'enthousiasme qu'il y avait, du fait du lieu, du fait de l'ambiance. Voilà, donc j'en donnais et puis je signais le frère d'Icard. Maintenant, aujourd'hui, je refuse. Si on me demande, je refuse. Ça m'est arrivé cet été et je refusais. Parce que je vois pas l'intérêt. Et puis, il y a un côté un peu... J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait à part applaudir et soutenir mon frère, enfin... Ces derniers mois, Sam a mis sa vie entre parenthèses pour être à 100% avec son frère. Mais depuis quelques temps, il pense à prendre un peu de recul. Il a décidé de ne pas suivre Icard sur sa prochaine tournée. Tu ne seras pas là à octobre à Dakar quand je chante au Sénégal. Non. Je ne serai pas là pour les concerts à Dakar. Je ne serai pas là pour le concert au Liban. Dans le sud de la France non plus, les showcases, mais à Paris, quand je reviendrai. À Paris, oui. Moi, à Paris, ouais. Si je vais pas avec lui en studio, c'est prioritairement parce que j'ai pas envie de trop m'impliquer. Je crois que depuis là avec la Nouvelle Star, je m'étais beaucoup impliqué et je crois que je me suis un peu oublié, un peu trop. Icard ira donc tout seul en studio à Lille, enregistrer son album. On en a parlé ensemble, mais j'aurais fait l'identique à l'inverse. C'est-à-dire que si c'était lui qui était du jour au lendemain sous les feux de la rampe, j'aurais réagi de la même façon. Pour Icard, c'est le grand saut. Le style n'a rien à voir avec les standards de la télé-réalité. Et pour la première fois, il est tout seul, sans son petit frérot. Une envie pressante m'assaille. Je n'ai pas envie de m'endormir. Vois comme mon envie est de taille. Ne me laisse pas en sortir. Je veux qu'on baise. À Paris, Sam reprend peu à peu le cours de sa vie et ses études de marketing. Tout revient comme avant finalement. Enfin, ça nous a enrichi, lui et moi, de façon indépendante. Et puis notre relation aussi d'un certain côté. Donc c'est que du bénef. Bravo, bravo, bien. Bravo à tous les deux. Non, c'est bien ce que vous arrivez à verbaliser. Il y a beaucoup de familles où on n'arrive pas à parler comme ça facilement. Vous êtes des frères qui sont très proches depuis longtemps ? Toujours très proches, très complices ? Ouais, on a toujours été proches. Ben déjà, on n'a pas beaucoup d'âge de différence. Trois ans. Et la relation que j'ai avec lui, c'est vraiment... C'est un extrême à l'autre. Ça va d'une très forte fusion, pour reprendre vos termes, très très forte, à quelque chose de beaucoup plus... Mais vraiment, quand ça casse, ça casse. On dit que c'est passionnel dans ces cas-là. Ouais. Si on veut. Ouais. Voilà, on va s'engueuler là, faites gaffe. Vous avez déjà dit qu'il risquait de prendre la grosse tête, parce que le problème souvent, c'est l'entourage qui change de comportement. Pas forcément le premier cercle, hein, madame, pas la maman, pas les frères et sœurs, mais ceux qu'on connaît pas vraiment, qui sont autour ou ceux qui arrivent tout d'un coup. Ou qui reviennent d'un coup, ouais. Ça vous est arrivé ? Non, faut juste... À partir du principe que bon, c'est arrivé à 15 candidats cette année, fois 6 saisons, avec un tas d'autres émissions qui font ce genre de choses, il faut rester sobre et les pieds sur terre. Vous nous bluffez quand même, je vais vous dire, en coulisses, tout le monde est bluffé par votre simplicité. Non, c'est vrai. Ouais. Et votre complicité. Comment vous avez compris concrètement que Icard était devenu dans votre vie à tous les deux, dans la vie de votre famille, de vos proches, un sujet de curiosité, disons? D'abord, c'est dans la rue, tout bêtement dans la rue. C'est des regards qui insistent. Là, ça commence. Et donc, on ne sait pas trop pourquoi. Et ça fixe, et puis après, ça passe au chuchotement. Après, ça passe au... Quand on passe quelque part... Et là, je me suis dit, mais... Là, j'ai commencé à me poser la question, parce que jamais une seule seconde, je me serais douté qu'on puisse faire le lien avec mon frère en me voyant moi. Ah, que vous, même quand vous êtes sans Icard? Ah ouais, ouais, surtout. Enfin surtout, donc, oui, parce surtout. Que lui, il était à l'intérieur, on ne se voyait pas, on se voyait ah ouais, pas pendant souvent. Toute la Nouvelle Star, pendant la compétition. Surtout, c'était cette période-là, en fait, où c'était le plus fort. Et après, c'est quand on allait aux émissions, à Baltar. Là, c'était la foule, toute la queue qu'il y avait devant, en fait, tous les gens qu'il y avait devant. Et des gens qui m'appelaient. Par mon prénom.
et que voilà, enfin c'est tout ça, des choses anormales qui commencent à surgir comme ça, on ne sait pas trop d'où. Faut faire face, hein, parce que et donc là, à votre âge, un peu plus de 20 ans, comme ça. C'est... Oui, mais ça m'a jamais vraiment dérangé, parce que c'est des choses gentilles en général, qui sinon on s'approche pas de vous pour vous. Et quand ça sonne à 2h du matin et tout ça, là, ça devient. Oui, c'est histoire. Non, mais ça c'était l'abus. Ouais, mais ça on verra un peu plus tard, parce que quand les fans deviennent embêtants, comment la famille peut aider, ouais. Puis comment la famille fait aussi pour se dire, mais moi j'ai... Non seulement j'ai que les inconvénients, mais en plus j'ai pas les avantages non plus, donc on les a par rebond, parce qu'on est content pour l'autre, mais c'est pas pareil que quand c'est pour soi quand même si on a un très grand cœur évidemment. Christine, la rivalité entre Sam et Icar qu'il y a eu au tout début et qui s'est effacée ensuite, est-ce qu'elle fait écho en vous? Nous avec Alain, non du tout, chacun sa place. Qui a commencé la natation en premier dans la famille? Sandrine, votre ma grande sœur. Bonjour Sandrine. Vous avez commencé à... Vous avez quelle différence d'âge avec Alain? 9 ans. 9 ans, ah ouais, vous êtes la grande sœur, vous. Et vous avez quelle différence? 6 ans. Tout le monde a fait de la natation. Ouais. Pourquoi, madame? Parce que j'ai voulu leur apprendre à nager. Et après, ils sont entrés en club et ça s'est fait comme ça, la première, la seconde. À Aubagne, et Alain, tout ça. À Aubagne, oui. À côté de la piscine, donc ça aide. Ben, voilà. Oui. À Cassine, vous avez compris que du stade de champion, il était devenu une vraie vedette, pour ne pas dire une star, c'est un mot qu'on galvaude, mais je crois que dans le cas d'Alain Bernard, on peut parler de star. Et pas seulement parce que ça rime. Ouais, tout le monde qui nous disait bravo, c'est bien, vous êtes fiers, vous pouvez être contents. Puis de le voir après à la télé, dans les journaux, ça fait bizarre. Il y a des moments où ça doit faire bizarre. Ah ouais? Oui, ça fait très bizarre, oui. Ça fait plaisir, mais ça fait bizarre. C'est bizarre comment? C'est le petit. Ouais. Ça reste le petit dernier. Voilà. Le petit. C'est le petit était bon élève? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps, non. Il a un jour. Il a un peu grandi. Le petit. Non, alors le petit à la télé, le petit au journal de 20h, ça fait quoi? Eh ben, c'est bizarre. Mais bizarre comment? Parce qu'il est comme dans la vraie vie, quoi, en fait. On le voit à la télé, comme il est avec nous. Il est... C'est bien, ça. C'est... Ah oui, c'est bien. Oui. Les natures, on le reconnaît vraiment, quoi. Oui, il est resté lui-même, c'est bien. Eliane, vous avez déjà été inquiète pour votre fils Alain? J'ai été inquiète un peu, oui, de cette célébrité. Oui, ça m'a un peu inquiétée, mais bon, il gère bien. Et... Inquiète de quoi? Inquiète qu'il soit... Trois caparés. Qu'il n'arrive plus à... Et qu'il change. Qu'il change. Oui, ouais, il ne changera pas. Il restera bien les pieds sur terre, mais qu'il se laisse emporter, en fait. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez lui dire? Ouais, bah, des fois, on se fait remballer aussi, mais on essaye. Oui, il faut lui dire, fais pas ça. Après, c'est lui qui voit, hein. Marilyn, quand votre fille a été sélectionnée pour Popstar, vous étiez plutôt... Vous étiez fière, évidemment, mais est-ce que vous étiez aussi un peu inquiète? Inquiète, oui. Surtout, c'est un monde que je ne connaissais pas. Ah oui. Peur de l'inconnu, c'est ça, surtout. Le show business. Puis bon, Marjorie est partie rapidement de la maison. On était contents, fiers, mais surtout... Et qu'elle a été sélectionnée, elle est partie très vite, elle avait quel âge? 20 ans. Ouais. Mais quand je dis rapidement, ce n'est pas l'âge, c'est du jour au lendemain. Okay. C'est ce que je veux dire. Vous habitez chez vos parents encore? Oui, j'habitais chez mes parents. Excusez-moi pour cette question indiscrète. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et j'avais pas l'intention de partir du tout. Donc là, quand vous l'avez revue ensuite, c'était quand elle passait à la télé pour chanter? Oui, on est resté quand même 14 semaines, je crois. Sans la voir? Oui. Ah. Oui. 14 semaines sans la voir, puis la première fois que vous la voyez à la télévision chanter, qu'est-ce que vous avez ressenti? Grosse franchement, émotion. Franchement. Grosse émotion. Mais bizarre aussi. On voit sa fille. Puis on se dit, je la vois et tout le monde la voit. Ce qui est bizarre, c'est ce que Christine a dit, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il ne soit pas différent. Pourquoi différent? Non, parce que ce qui est bizarre, c'est de le voir à la télévision et il est resté normal, vous avez dit. Et pourtant, c'est toujours lui. Et pourtant, c'est bizarre. Et pourtant, c'est lui. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'il est de l'autre côté. Ouais. Il est à la télé. Et... Ouais. C'est autre chose. Bah, c'est votre tour ce soir. Hein. Ouais. Ça doit faire bizarre. Ah ouais. Regardez ces images. C'était déjà il y a 7 ans. Des images qui ont marqué donc, le début d'une nouvelle carrière pour vous, bien sûr, et pour toute votre famille. En 2001, Marjorie participe à l'émission Popstar. C'est vrai. À tout juste 20 ans, cette jolie Marseillaise attire l'attention. Elle fait partie des 5 finalistes qui vont former les L5. Leur premier titre est un carton. Plus d'un
million d'albums vendus, Marjorie et ses consœurs sont partout. Je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie. Concerts, émissions de télé, presse people, leur vie et celle de leurs proches sont prises par le tourbillon médiatique. En dehors du côté médiatique, il y a une vraie histoire d'amitié qui s'est créée. Mais après leur troisième album, le succès s'essouffle. Le groupe se sépare en 2006, Marjorie a 25 ans, c'est le retour à l'anonymat. Vous êtes maman et vous êtes fille, mais vous êtes comme des sœurs, comme on dit parfois entre une mère et une fille, j'ai l'impression, ouais. Hein, très fusionnelle. Ouais, c'est une relation très fusionnelle, ouais. Ça l'a toujours été. Et... Vous doutiez que pendant que vous viviez pendant toutes ces longues semaines l'aventure, votre maman était en train de devenir un peu célèbre par procuration ? Pas du tout. Non. Pas du tout, parce que j'avais moi-même pas conscience de ce qui m'arrivait. Ouais. Bah, comme pour Ricard, ce que disait Sam tout à l'heure. Et du coup, pour la famille, c'est encore pire. Quand est-ce que vous avez constaté, de quelle façon vous avez constaté que les choses avaient changé dans le regard des autres, dans la tête des autres ? Comme c'est la première émission de télé-réalité, on a été souvent filmé à la maison. La toute première Il me semble. Musicale. Oui, après Loft, oui. Mais première musicale. Émission voilà. Musicale. Donc, on a eu plusieurs reportages à la maison. Donc, forcément, dans la rue, vous êtes reconnus, malgré vous. Et quelque part, le regard déjà a changé parce que vous êtes la maman de Marjorie, la maman d'une des L5. On vous arrête dans la rue. On vous parle de votre fille, du groupe, gentiment. Hein. Il y a eu aussi des gens qui étaient moins gentils, je vais dire. Qui vous parlaient de votre fille en termes pas gentils ? Oui, on a toujours il faut toujours, enfin pas justifier, c'est pas le mot, mais j'avais l'impression qu'il fallait toujours se justifier. Après. Quelles questions, quelles remarques ? Du style, bon, mais le groupe vient de faire un tabac maintenant, mais bon, d'ici quelques mois, on n'entendra plus parler de ce genre de groupe. Je comprends. Mmh. Mais heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Ça c'est un peu, non, c'est un peu aigre de se comporter comme ça. Mais ça peut énerver, parce que vous souhaitiez être artiste et être artiste sur le devant de la scène depuis toujours, quasiment. Alors, disons que le métier d'artiste me passionnait, mais c'est vrai que la notoriété, j'y pensais pas. Jamais. J'étais gamine et je me faisais plaisir dans ma ville à faire des spectacles, à chanter, des concerts, etc. Et donc, je ne m'étais pas posé cette question s'il n'y avait pas une notion de célébrité ou de regard des autres, d'être vue. Ça, c'était pas dans ma tête. Et j'ai tellement vécu des choses difficiles, même si l'aventure était belle, que j'ai souvent dit, si je pouvais faire ce métier sans la notoriété, je signais de suite. Ah bah, ouais. Ce qui se passe... Vous trouvez que par rapport à ce qu'on paye... Mais c'est la vie privée. Par rapport à ce qu'on paye dans sa vie privée, vous pensez c'est que je pense ça que vaut le coup ou pas? Oui, au final, ça vaut le coup. Au final, je ne regrette rien. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes posé la question quand même. Mais je me suis posé la question. Dans quel moment ? Quand il y a eu toute cette effervescence, je ne comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. Quelles images vous sont restées ? J'ai eu des petits désagréments, des personnes qui ont été méchantes à mon égard. Des jeunes ? Des jeunes, des moins jeunes. Des mamans qui venaient me voir en me disant « Marjorie, je peux avoir un autographe ?» Enfin, je ne sais pas qui vous êtes, je n'écoute pas du tout ce que vous faites, mais c'est pour ma fille. Alors quand vous recevez ça, vous vous demandez ce que vous devez faire. Si vous devez le faire pour la petite fille en question parce qu'elle n'a rien demandé, c'est pas de sa faute si la maman a des problèmes de communication, pour être poli. Vous maîtrisez très bien la politesse. Ouais, alors, c'est très difficile à vivre ce genre de choses. On apprend à passer au-dessus, à relativiser, mais sur le moment, c'est très pénible. On voit que vous avez appris à vous maîtriser. Oui, j'ai vachement relativisé. Moi, à chaque fois que j'ai eu le plaisir de vous voir sur un plateau, en tout cas, vous êtes toujours très douce, très sympa. C'est toujours un grand plaisir. Vous comprenez ce que dit cette fille ? Quand même. Oui, un peu, vous êtes un tempérament. Elle vient du Sud, comme tout le monde ici. Elle vient tous du Sud, oui, pratiquement. Vous avez à protéger votre fille Delphine aussi, Luce ? Eh oui, malheureusement, oui. Oui, parce que moi, en plus, tous les gens qui sont là, c'est eux qui sont représentés. Ils sont chanteurs, comédiens, alors que moi, ma fille, elle joue un rôle dans la série. Donc, c'est encore plus difficile quand vous passez dans une série où vous jouez un rôle... Qui n'est pas elle, ça vous le dit ? Qui n'est pas elle. Elle est adoptée dans la série. Les gens font souvent l'amalgame, ils ne font pas la différence entre ce que je joue et ce que je suis réellement. Moi, je me suis fait agresser parce que j'ai abandonné ma fille. La dame, elle n'a pas fait la différence, en fait. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez eu comme remarque sur votre fille qui ne la concerne pas ? Enfin, on n'est pas en train de parler de ma fille, là. C'était pas trop des remarques par rapport à son rôle dans la série. C'était plutôt ce que ça... comportée quand elle revenait chez nous, à l'école ou dans les sports, etc. Alors à l'école pour commencer, parce que... La pète,
elle se prend pour une autre. Ah, c'est toi, tu joues dans Sous le soleil. Voilà. Moi aussi, je suis la mère d'eux, comme madame. Mais ça, entre les choses gentilles et les choses méchantes, alors quelle est la balance? Bon, il y a quand même beaucoup plus de gentillesse. Ah, oui. J'ai l'impression que les méchancetés vous ont fait mal parce que c'est parce que vous êtes les méchancetés m'ont fait très mal parce que voir des adultes qui étaient jalouses d'une enfant de 7 ans, des 8 ans, 9 ans, 10 ans. Oui, ce sont les adultes qui sont jaloux. Parce que quand un enfant à l'école répète une méchanceté, un enfant de 7 ans, il n'est pas méchant, un enfant de 7 ans. Il répète bêtement ce qu'il a entendu chez lui. Et ça, on a eu du mal à le comprendre. Mais on l'a compris, on ne l'a pas toujours accepté sur le moment. Et puis, bien sûr, on a fait un travail, parce que bon, c'est vrai que dans le Sud, on est un peu... Impulsif. Un peu, oui. Ouais, c'est ça. Voilà, mais... On a appris à se maîtriser, comme Marjorie. On se maîtrise. Vous avez essayé, vous, hein, de jouer dans la série sans le dire aux autres. Bah, au tout début, je ne l'ai pas dit, on l'a caché, donc j'étais quand même à l'école. Et puis, il y a eu la diffusion. Et les gens n'ont pas tout de suite fait le rapprochement, mais très rapidement, c'était les parents qui disaient aux enfants. Et puis, bah, comme l'a dit ma maman, les enfants qui répétaient. Et ensuite, c'est là où sont arrivés les problèmes, c'est que les gens, ils faisaient pas la différence et ils répétaient bêtement. Non, c'est pas facile, hein. Et voilà, ils étaient blessants. Okay. Et puis quand on n'est pas préparé à 7 ans, enfin, j'étais pas du tout préparée, je savais pas ce que c'était la méchanceté et j'avais pas les armes pour me défendre, tout simplement. Non, surtout qu'elle a un caractère gentil, elle a un fond très gentil, donc elle a eu du mal à répondre et à se protéger. Sur quoi. Soi, et fait, maintenant, vous êtes devenue une sauvage, alors comment c'est... Non, pas du tout. Pas du tout. Maintenant, si on parle gentiment, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si on entend des remarques, comme Marjorie disait, on entend des remarques dans la rue, et puis après, les gens disent « Ah, ben, c'est vous, un autographe ouais. », ben, on a du mal à accepter quand même. Mais... Alors, Delphine, vous avez toujours été extrêmement fière d'être une Depardieu. Mmh. Vous êtes dernière de ressemblance, d'ailleurs, je pense qu'on a déjà dû vous le dire. Ouais, mais... C'est bien, hein. Ah ouais, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous êtes très jolie, en plus, donc ça gâche rien. Vous aussi. C'était pas pour ça que je l'ai dit. Hein. Vous avez distribué des cartes postales avec la photo de votre oncle, oui, photo dédicacée. Quand j'étais plus petite à l'école, donc on savait que j'étais sa nièce. Et il y avait quelques personnes, c'est normal, qui me demandaient des autographes. J'en avais pas spécialement, mais de temps en temps, quand je le voyais, je lui dis, voilà, il y avait des photos préfaites. Ouais. Et voilà, j'en donnais quelques-unes, mais j'étais pas là, tenez. Non. Mais est-ce que vous avez entendu des choses méchantes sur... Non, moi jamais de choses méchantes sur Gérard. Mmh. Les gens l'adorent. Ah si, une fois, j'étais en CM2 dans la cour, toute seule avec une copine, et il y a une plus grande, elle était en 4e, 3e, qui est venue me voir en me disant « C'est toi, hein, la nièce de Gérard Depardieu ? Eh ben moi, je préfère Tom Cruise. » Et elle est partie. Oui, c'était très bien. Pas grave. C'est pas grave du tout. Tout le monde peut faire une faute de goût. Voilà. C'était très drôle, ouais. Surtout. Alors, vous, donc, c'est un oncle dont vous étiez assez proche, vous voyiez régulièrement les réunions de famille le week-end. Oui, quand j'étais petite, on faisait effectivement pas mal de réunions de famille. C'est le frère de votre père. Voilà, c'est le frère de mon père. Julie et Guillaume étaient là aussi. Enfin, ils étaient plus grands. Une famille proche avec des choses à partager. Oui, voilà, exactement. Et puis, donc nous, on était avec les mamans, avec les cousins. Julie et Guillaume, ils s'en foutaient un peu parce que j'étais plus petite, ce qui est totalement normal. Vous avez combien de différences d'âge? Oui, environ 6 ans, ouais. Ah, ouais, c'est-à-dire que. Non, ça va, mais quand on est toute petite et qu'elle était adolescente, c'est normal qu'elle s'en foute. Il y a un décalage. Et un peu plus avec Guillaume, qui est le grand frère. Oui, ouais. Guillaume est un peu plus grand, ouais. Et avec tonton Gérard, ça se passait simplement? Il n'y a pas la barrière de la grande célébrité, parce que c'est une immense star, Gérard Depardieu. Ça fait très longtemps qu'il est une star. C'est la star. C'est the star. Bah, bah, bien. J'adore. Ah ouais, je suis. Oui, mais je suis très, très fière de ma famille, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'il fait. Il est vraiment toujours, il a quelque chose de génial. Enfin, il a quelque chose, il est, voilà, génial. Moi, je suis très, très fière. Il a quelque chose de différent de plus, en tout cas, ouais. Ah oui. Vous l'appelez tonton? Excusez-moi pour ma question. Non, je l'appelle Gérard. Vous l'appelez Gérard, d'accord. Et lui, il vous appelle? Il m'appelle Delphine. Delphine, c'est votre prénom, ça, Mathilde. Voilà. Quand vous lui avez annoncé que vous vouliez faire d'être comédienne, vous êtes aujourd'hui au théâtre. Voilà. Vous jouez quelle pièce en ce moment? On joue Jupe obligatoire à la Grande Comédie. Ah ouais. Et bah, il était très content. Il était très content. Vous avez le trac avant de lui annoncer? Moi, je sais pas. Non, parce qu'en fait, j'ai toujours voulu faire ça. Donc finalement, il l'a toujours su. Mon père est aussi dans le métier, il est producteur. Donc il m'a toujours dit, tu passes ton bac. Tu fais tes études de théâtre et après tu es comédienne, ce que j'ai fait.
Et on parle facilement de la famille dans votre famille, y compris Gérard. Nous avons retrouvé donc cette interview où il parle de vous, oui. Donc sur Radio Bleu. France Bleu. Delphine, c'est une personne qui est généreuse avec elle-même et avec, beaucoup avec les autres. Et suffisamment généreuse aussi pour essayer de s'effacer, même de s'oublier, alors qu'elle est absolument charmante. Mais elle est plus vivante que préoccupée d'elle-même. Delphine fait partie des gens invexables, donc des gens qui peuvent faire ce métier. Non, mais c'est... C'est très fin. C'est très fin ce que dit Gérard Depardieu à votre sujet. Il n'est pas en train de dire elle est douée pour. Elle dit elle le pense aux autres avant de penser à elle, et donc elle est douée pour ce métier. Oui, il est très gentil. Oui. Oui. Non, je pense qu'il est sans doute très gentil par ailleurs. Mais... Oui, totalement. Mais en tout cas, c'est lui qui m'a dit aussi, quand j'étais allée le voir, de prendre des cours de théâtre. Il m'a indiqué le cours de théâtre. Il m'a dit va chez Jean-Laurent Cochet. C'est un très bon professeur, c'est un grand maître. Donc j'ai suivi ce qu'il m'a dit. Après les cours Simon, je suis allée chez Jean-Laurent Cochet. Juste une question, Icar. Donc Sam est un grand passionné. Vous disiez au début de cette émission que si l'un des deux devait être pris à la nouvelle star, ça aurait dû être Sam, parce qu'il est vraiment totalement dedans, et doué, mais en même temps très technique. Est-ce que vous pensez que vous allez apprendre des choses que Sam ne va pas apprendre? En plus, maintenant, vos chemins se séparent, et c'est mieux, je pense, pour s'épanouir pour chacun. Je peux donner mon avis, mais c'est surtout le vôtre qui compte. Est-ce que vous pensez que vous pourriez donner ensuite des conseils de ce que vous aurez appris? Est-ce que vous allez apprendre des choses que Sam ne pourra pas apprendre par la force des choses? L'essentiel de... Enfin, je pense, de ce que je vais apprendre maintenant, ce sera sur un plan humain et... Enfin, sur un plan technique, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie d'apprendre la musique, j'ai pas envie d'apprendre à chanter. Moi, j'ai beaucoup à apprendre de lui. Quoi, par exemple? Dans la musique, sûrement. Non, moi, il pourrait, lui, me donner des conseils par rapport à, enfin, au niveau chant, parce que moi, j'y connais rien. Et... Pourquoi tu dis que tu vas apprendre de lui, Sam? Parce que déjà, moi, je joue pas d'instrument, primo. Ensuite, après, c'est une question de... Je sais pas, après, je... Sur la gestion de la personnalité, peut-être? Peut-être sur la générosité. Sûrement, ouais. J'aurais beaucoup à apprendre de lui sur ça. Ah bon? Mais oui. Alors, c'est incroyable, Sam. Vous êtes vraiment une surprise vivante. Hein. Vous êtes d'une générosité incroyable, au contraire, depuis le début de cette émission. Ce que vous avez fait auprès de votre frère, il y a peu de gens qui l'ont fait. Alors que vous étiez en compétition, vous étiez inscrit premier et tout ça. Vous n'étiez pas tant comme jeune homme. Faut que vous, sans prendre le melon, vous pouvez vous dire quand même, je suis un type bien, parce que c'est le cas, quoi. Oui, mais bon, enfin, moi, ça m'a paru normal. C'est pas des choses que j'ai pu justifier par une certaine générosité ou quoi que ce soit. Non. C'est mais ça, vraiment... plus la sincérité de dire, il y a un moment où ça m'a foutu les boules, quoi. Ça fait quand même un personnage. Ouais. Bah oui, ça fait partie du. Je vais pas vous dire, ouais, j'ai sauté de joie, je suis pas pris, mon frère est pris. Non, c'est faux. Ce serait mentir. Celle qui va nous rejoindre maintenant à côtoyer de près un autre monstre sacré du cinéma français, c'est pas Gérard Depardieu, c'est un autre. Elle avait que 2 ans lorsque son père jouait Oncle Fernand dans Les Tontons Flingueurs. 3 ans quand il entrait dans le clan des Siciliens. Elle a un point de vue assez tranché sur ce sujet que nous abordons aujourd'hui, à savoir faire partie de la famille d'une célébrité. Je vous demande d'accueillir Clélia, qui est donc la fille cadette de Monsieur Lino Ventura. Clélia Ventura. Bonsoir. Bonsoir. En fait, quand vous bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Voilà. Quand vous êtes né, votre papa était déjà très connu. Ah oui, moi je suis arrivée à la période du tonton. Je suis fille de tonton en fait. Fille de tonton, c'est autant qu'on puisse comme la fille adoptive qu'il a dans le presque la fille adoptive qu'il a dans le film en fait. Comme Patricia, mon petit. Patricia, voilà. Mon petit. J'ai envie il y a peu de temps. Vous n'avez que 2 ans, ouais. Vous avez compris assez tôt que votre papa était considéré différemment par les autres enfants, les autres parents. Alors, pas du tout. Moi, j'ai pris conscience de la notoriété de mon père que très tard, c'est-à-dire à sa mort. Ça peut paraître bizarre. Je savais que mon père était reconnu en tant qu'acteur, mais je ne pensais pas que c'était le monstre sacré dont tout le monde parlait. C'était, vous savez, mon père était quelqu'un de très pudique par rapport à son métier. On n'a pas du tout été, nous, élevés dans le côté starisation de la chose. Donc, il faisait son métier comme un architecte. D'ailleurs, ça l'énervait lui-même qu'on dise de lui que c'était un monstre sacré. Et il arrivait à compartimenter pour protéger ses enfants, si j'ai bien compris, en fait. Complètement, oui. Protéger terriblement sa famille. Protéger de quoi, en fait, alors? Protéger de quoi? Protéger, je pense, de certains médias, parce que je crois que papa avait eu affaire à certains journalistes qui l'avaient terriblement déçu, qui avaient raconté n'importe quoi sur lui, et du coup, il a fermé les portes. Et il a compris très vite que dans ce métier, il fallait faire très, très attention. Il n'y a pas tort.
À l'époque, évidemment qu'il y avait déjà les paparazzi, qu'il y avait déjà une certaine presse people, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, je crois. Ou aussi, vous avez l'impression que c'était déjà quelque chose d'important? En tout cas, moi j'ai une anecdote, c'est que moi j'ai vu un paparazzi dans ma vie. Mon père avait l'habitude le matin de nous accompagner à la grille en pantoufles et en peignoir, avec ma sœur Linda, qui est inadaptée, comme tout le monde sait. C'est vrai que tout le monde a envie de voir ça maintenant que vous le dites, parce qu'avec Lino Ventura en train de faire ça, ça doit être charmant. Donc je devais pas être très grande parce que j'avais encore la main là, et je vois encore mon père nous lâcher avec ma sœur en disant bougez pas. J'ai vu mon père partir comme un dératé à l'angle de la rue qui était à 5 mètres. J'ai vu un arbre faire comme ça, un appareil photo et juste après un mec. Et après... C'est vrai ? C'est le seul paparazzi de ma vie que j'ai vu. Voilà. Donc, On a dû imaginer, Clélia, comment c'est possible de protéger à ce point sa famille de la célébrité, de découvrir simplement qu'à sa mort, vous aviez quel âge à sa mort ? J'avais 26 ans. 26 ans, une grande fille, si je peux me permettre, que votre père était à ce point un monstre sacré. C'est-à-dire que vous viviez dans un monde fermé, sans télévision, sans journaux, sans sortir de chez vous? Non, c'est pas ça, mais on était vraiment... si vous voulez, on regardait pas ses films à la télé. Ah bon? Non, du tout. Vous avez jamais vu un film à la télé avec votre père? Non, du tout. Moi, le premier film que j'ai vu seul au cinéma, avec ma sœur Linda, c'était formidable, c'était de la discrétion absurée, parce que Linda arrêtait pas de dire que dès que papa apparaissait à l'écran, ah, c'est papa. Donc j'étais là, dans la salle, il n'était pas là, quand vous étiez toutes les deux? Oui, on était toutes les deux, et c'était l'aventure, c'est l'aventure. Vous voyez, donc, film de Claude Lelouch, super drôle. Comment vous avez pu annoncer à Monsieur Ventura, si je peux me permettre de appeler votre père ainsi, que vous vouliez devenir comédienne, alors que lui, vous ne voulez pas entendre parler de cinéma à la maison, ça te dit? Ben là, ça a été très compliqué. Et ça a été non. 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 Voilà, ça a été très simple, ça a été non. Mais est-ce que c'était une question que vous posiez? Oui, parce que je voulais faire ce métier et c'est vrai que ça me passionnait. Moi, j'aurais adoré donner la réplique à mon père. Et en plus, si vous voulez, comme il parlait absolument pas de ce métier, mais que je trouvais quand même que les types avec qui il travaillait à la maison étaient fort sympathiques et très drôles, et je me disais quand même, ça doit être un métier génial ce qu'il fait. Ah, donc il y avait des acteurs qui venaient à la maison quand même? Pas des acteurs, non. Les metteurs en scène et les écrivains, ouais, et les auteurs. Très peu d'acteurs. Très, très peu d'acteurs. Et si vous voulez, c'est vrai que j'étais fascinée par ce métier je fantasmais complètement sur ce métier. Vous avez vu ce film « Ma femme est une actrice » pour oui, être ma fille est une oui. actrice, d'ailleurs, mais c'est ma femme en l'occurrence. Oui. Et en fait, Yvan Attal explique que quand sa femme embrasse un acteur, c'est pas pour de vrai. Oui. À quelqu'un qui lui dit « Mais si, je l'ai vu, elle embrassait un acteur. » Et l'autre lui dit « Non, non. » Et votre père n'a jamais voulu embrasser une femme, même pour de faux? Si, il l'a fait à ses débuts, si. Il l'a fait aussi une fois vraiment dans Homme en colère, de Claude Pinoteau. Et sinon? Non, sinon, non. Pourquoi? Pour sa famille. Mais c'est pour ça, par exemple, dans Boulevard du Rhum, quand il se retrouve face à Brigitte Bardot, qu'il l'embrasse pas du tout, le film peut pas marcher, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, il va finir par l'embrasser, quand même. Il y a tous les mecs de la Terre qui rêvent d'embrasser Brigitte Bardot. Eh ben non, pas Lino Ventura, il est là avec sa petite fleur. Face à Bardot, donc ça marche pas. Ça peut pas. C'est étonnant. Ouais, c'est étonnant et c'est épatant hein, en même temps. Hein. Alors, passé la prise de conscience de la notoriété, on va voir que certains souffrent de voir leurs proches briller ou se brûler les ailes, sans du tout faire de jeu de mots avec Icar qui est ici présent, évidemment, quand on vit dans l'entourage d'une vedette. Alors évidemment qu'il y a des avantages, il y en a plein, avoir une bonne table au restaurant, avoir quand même globalement plus de gens gentils que de gens qui sont désagréables, mais il y a aussi des inconvénients qu'ont essayé de comprendre Léa Lemossoff et Sébastien Giraudon de notre rédaction. On ne les compte même plus, ces enfants de stars qui deviennent stars à leur tour. Charlotte Gainsbourg, Guillaume Depardieu, Laura Smet ou encore Marie-Lou Berry. Un plus pour faire carrière? Peut-être, mais pas seulement. Cédric Anthony est le fils du chanteur yéyé Richard Anthony. Il nous explique les multiples avantages à porter un nom célèbre. Je me suis déjà servi de mon nom pour rentrer dans les boîtes de nuit et les restaurants, parce que ça marche super bien. Et s'appeler Cédric Anthony, être le fils d'eux, en fait, on est très facilement présentable. C'est beaucoup plus facile de dire « je te présente Cédric Anthony, qui est le fils de Richard Anthony », que de présenter un inconnu. Voici Jean-Baptiste Martin, fils de Daniel Evnoux et de Jacques Martin. Lui n'a jamais pu se servir de son nom, et pour cause. Moi, j'ai pas un nom connu, j'ai le nom le plus répandu de France. Voilà, c'est comme le fils de Guillaume Durand, personne doit lui demander si c'est le fils de Guillaume Durand, quoi. Bon, Delon, Depardieu, en cours de théâtre, ça doit être l'enfer, parce que tout le monde doit vous poser la question. Un nom banal qui ne l'a quand même pas empêché de devenir comédien. Depuis 6 mois, il est au théâtre tous les soirs, il partage l'affiche avec sa mère. Mon fils. Mon fils. Lorsque j'ai appris que
mon fils voulait faire ce métier, ça m'a inquiété. Mais je ne l'ai jamais aidé, simplement. Je me disais, mon Dieu, s'il avait un autre métier, qu'est-ce que je serais contente? Eh bien, je vais réfléchir à la question. Baptiste Chardin est le fils de deux stars des années 70, Stone et Chardin. Personne n'a oublié ce duo mythique, encore moins son plus grand tube. Baptiste rêvait de devenir chanteur. Il se serait bien passé de la célébrité de ses parents. Lorsque tu commences à envoyer en maison de disques ta production, ce que tu as fait, et que les gens ont comme réaction de juger l'image de tes parents, oui, c'est quelque chose qui est un petit peu... c'est non seulement énervant, mais c'est injuste. Moi, je pense que mes parents ont une image peut-être has-been ou ringarde. Je pense qu'en effet, c'est plus difficile d'être le fils de Stone et Chardin que d'être le fils de Johnny Hallyday. Aujourd'hui, Baptiste a dit adieu à la gloire. Il a changé de voix et dirige un site web de vente par correspondance. Nous retrouvons Cédric Anthony. Lui a tout fait pour s'éloigner du show business. Il est consultant en marketing. Personnellement, j'ai jamais voulu être célèbre. Ce sont plutôt les gens autour qui se sont dit que ça devait être facile pour moi. Et que si j'avais envie de chanter, si j'avais envie de faire de la comédie, si j'avais un réel talent là-dedans, ça devait être très facile pour moi d'appeler qui il fallait pour pouvoir sortir un disque, etc. Mais personnellement, la célébrité ne m'a jamais attiré. C'était très important pour moi de réussir professionnellement sans qu'on puisse dire que c'est grâce à mon père. Sur les choses un peu compliquées à vivre de la célébrité, parfois désarmantes et pas forcément désagréables, par exemple, vous nous avez dit que vous aviez beaucoup plus d'amis. Enfin, il y a plein de gens qui avaient été à l'école avec vous. Alors, j'ai pas compris tout de suite quand on m'a dit non, ça. Non, mais c'est formidable. Moi, j'ai même entendu quelqu'un un jour en disant « J'ai un très, très bon copain, il me connaît très bien, il a été à l'école avec toi. » Je dis « Ben, écoute, c'est formidable. Moi, j'étais chez les bonnes sœurs, donc il y avait des filles, donc... » Ah, mais vous pouvez pas savoir le nombre de gens qui ont été à l'école avec moi. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont été à l'école avec vous. Oh là là, c'est impressionnant. À moi toute seule, je dois faire au moins 2000 élèves. Hein. Dans ma classe, il y avait au moins 2000 élèves. Hein. Delphine, ça vous rappelle les souvenirs, vous aussi? Non, moi jamais. On m'a jamais dit. Je suis allée. Pas encore, en tout cas. Ouais. Peut-être que ça arrivera. À partir de ce soir. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Direct. Ah oui, parce que oui. Non, c'est assez ridicule. Votre papa était inquiète pour vous. Vos parents à vous ont été inquiètes pour vous quand ils vous ont vu prendre cette direction professionnelle, Delphine? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mon père, c'est lui qui m'a dit d'accord, c'est le plus beau métier du monde quand ça marche. Alors fais-le et tu fais une école de théâtre. Enfin, tu apprends ton métier, tu passes ton bac, tu fais une école de théâtre. Non, ils m'ont jamais dit non, ne le fais pas. Ou prévenu de ce qui pouvait vous arriver, ou mis en garde contre certains? J'ai vu ce qui pouvait arriver. Je sais quand c'est pas bien, je sais quand ça marche pas, et je sais quand c'est dur, mais je sais quand c'est magnifique aussi. C'est vrai que normalement, on n'a pas besoin de dire à un enfant, il suffit de lui apprendre à voir pour qu'il se rende compte de ce qui est autour de lui. Votre maman était très inquiète, vous, Marjorie? Oui. Elle a eu raison d'être inquiète comme ça, vous... Oui, je pense, parce que j'étais jeune et pas trop mature, j'étais vraiment le bébé de sa maman. De la petite, moi j'étais la petite quoi. Et je pense qu'elle se disait elle va être naïve, elle va être influençable et on connaît pas les gens qui vont l'entourer. C'est ça, c'est plus une inquiétude comme ça, mais elle me faisait quand même énormément confiance parce que je suis quelqu'un de raisonnable et de raisonné, enfin je pense. J'ai jamais fait de grosses bêtises, j'ai toujours parlé de tout à mes parents, je leur ai rien caché. Donc à partir de là, ça la mettait quand même en confiance, puis on discutait beaucoup par téléphone. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est que la notoriété peut vous rattraper dans toutes les situations, y compris quand vous achetez une machine à laver. Vous arrivez quelque chose de... Ah ouais, mais franchement, moi j'ai eu des trucs dans toutes les circonstances. J'ai acheté une machine à laver dans un grand magasin de distribution. Et puis, j'étais attention, assise... Anecdote, attention, ouais. J'étais assise donc face à un vendeur. J'étais en train de signer les papiers de vente. Voilà, j'ai choisi celle-là, ok. Et puis là, on m'interpelle. On me tape sur l'épaule, mais très gentiment, très délicatement. Alors je me retourne, oui, je voulais vous dire ce que vous faites, c'est vraiment de la merde. Qui? Le vendeur? Non, pas du tout. Non. Un mec d'une trentaine d'années, je sais pas, je le connaissais pas. Sympa. Et avec le sourire comme ça? Oui, mais comme ça. Ça m'a tellement désarmée. Façon de draguer qui est un peu... J'étais avec mon petit copain en plus,
bref. Et j'étais tellement désarmée face à la situation, parce que c'était très ironique, c'était bizarre. Je lui ai répondu, merci beaucoup, bonne journée. Mais j'ai été très, très calme, très... Ça m'a rien fait, Vous deviez être contente de vous après, non? Super contente, j'ai dit, ouais. Wow, la maîtrise, j'ai pris sur moi, la maîtrise. Pierrot, qu'est-ce que vous ressentez quand désormais, Pierrot, vous promenez au bras de votre compagne depuis qu'elle a participé à Secret Story? Pour moi, c'est quelque chose d'assez compliqué à vivre, c'est assez difficile, je le vis assez mal pour le moment. Ce sont plutôt des émotions mélangées, parce que d'un côté, je suis assez fier de ce qu'elle a fait, du parcours qu'elle a fait. D'un autre côté, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on a l'impression d'être parfois inexistant, d'être, je ne vais pas dire mis au deuxième plan, mais même presque être invisible par moments. Donc c'est assez compliqué. Ouais. Quel est le sentiment déjà d'avoir été un peu l'homme ou la femme invisible ici ou autour de vous, votre fiancé là? Oui. C'est une chose que j'ai en effet constaté très souvent, que déjà à côté de vous, n'existez pas. Quoi. On vous serre la main à vous qui êtes connu. Et on ne serre carrément pas la main à la personne avec qui vous êtes, ou les personnes avec qui vous êtes. Le manque de politesse à ce moment-là, les gens sont totalement, tellement fascinés par le fait que vous passez à la télé que c'est une chose très, très bien vue, ça. Vous n'existez pas si vous n'êtes pas connu. Le côté transparent, mais vécu par celui qui le dit, comme ça, en plus, c'est pas fréquent. Vous savez quoi? On va s'occuper vraiment bien de nos invités. On va penser à ceux qui sont les proches des célébrités. Et par exemple, je vais vous demander de vous lever, d'aller tout de suite prendre votre train, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir rentrer chez vous cette nuit. Et vous avez votre enfant qui vous attend. Au revoir, merci beaucoup. Ah non, vous restez avec nous. Vous. Non, vous gardez en otage. On vous garde en otage, les gars. Non, vous restez avec nous. Vous pouvez pas rester? Ah oui. Mais non. Pourquoi? Parce que j'ai ma voiture à Marseille, il faut que je remonte ma fille sur Gap. On va s'en occuper, on va lui mettre un taxi en sortant de la gare, d'accord? Vous voulez aller voir en coulisses, qui voir si ça s'arrange? Voilà, je vais voir. Vous serez rassuré, à mon avis. Mais revenez, hein, revenez. Dis-moi, Pierrot. On prend conscience du manque de respect que subissent souvent ceux qui sont dans l'entourage des célébrités. On imagine qu'ils n'ont que des avantages et ils ont le sentiment, parfois, de ne plus exister. Alors que ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Donc, ça fait 8 ans. Avant cela, comment ça se passait quand vous rencontriez des gens? Tout était tout à fait normal. Tout se passait très bien. On faisait connaissance de gens à deux, très souvent. Donc, à ce niveau-là, c'était vraiment tout à fait sympa, quoi. Maintenant, c'est différent. Les gens viennent vers Isabelle, ils disent, voilà, Isabelle, nanani, nanana. Vous, on vous pousse sur le côté. Si j'ai une photo à faire, c'est bouge-toi. Toi, t'es rien, t'es une merde. Je veux pas que tu sois sur la photo, tu vois, t'as rien fait. Mais vous le dites à Isabelle, ça? Ouais. Et mais elle malheureusement, elle ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça, parce que c'est vraiment la réaction des gens qui viennent vers elle. Et donc, elle est impuissante par rapport à ça, et c'est assez difficile à gérer. Ça crée une certaine tension, parfois, au niveau du couple. Et donc voilà, c'est ça que c'est. Votre relation a changé, vous avez l'impression? Oui, les relations, je pense. De mon côté, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus vraiment comme avant. Quoi. Au lieu d'avoir une vie commune à deux, j'ai plutôt l'impression que ce sont deux vies distinctes et séparées qui restent parallèles, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle fait une vie de son côté et moi, la mienne, à côté, ou du moins derrière, peut-être. Qu'est-ce qu'elle pense de votre venue à l'émission aujourd'hui? Elle est contente que je l'ai fait. Moi, je voulais en parler parce que c'est vrai que je pense. Alors, on est en train de la faire pour l'instant. Hein. Voilà. Ouais. Mais je pense que bon, il y a d'autres gens qui sont, je pense, peut-être dans le même cas que moi. Et donc voilà, maintenant on m'a demandé mon avis sur la question, et c'est vrai que voilà, moi ça me fait plaisir de le dire. Donc un peu plus de considération, souvenez-vous que voilà, la personne qui est à côté... La personne qui est à côté existe aussi, et c'est un couple, ce sont deux personnes à part entière, mais qui forment un tout, et pas deux individus qui ne se connaissent pas. Voilà, on est ici pour se parler franchement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est la même femme depuis Secret Story? Parce que vous avez vécu avec elle pendant 7 ans, donc vous avez, ouais, tout à vous fait. Avez l'occasion de la connaître véritablement. Mais disons qu'elle a un de ses rêves lointains avait toujours été d'être connue, d'être reconnue, de devenir un peu une célébrité. Sans être vraiment artiste, en plus, enfin, en tout cas, elle n'a pas été connue en s'exprimant artistiquement. Voilà, tout à fait. Contrairement à nos invités. Voilà, donc elle avait essayé de faire quelques tentatives par rapport à des photos de casting éventuellement pour les publicités, etc. Ça n'avait pas bien fonctionné avant. Maintenant, ça a changé évidemment, ce qui est vraiment bizarre. Hein, on se demande pourquoi. Et quand vous lui dites on reste à la maison parce que c'est un peu dur pour moi en ce moment, qu'est-ce qu'elle vous répond, elle? Ça ne la dérange pas spécialement de rester à la maison, mais alors les gens viennent sonner chez nous. Donc même quand on veut rester tranquillement chez nous, ce n'est pas possible. Donc c'est assez compliqué. C'est vrai que depuis qu'elle est sortie, on n'a vraiment pas encore eu de moment pour se retrouver à deux, tranquillement. Ça fait quand même déjà 2 mois et quelques. Hein. Elle est sortie le 8 août. Et voilà, et aujourd'hui, on est le 1er octobre. Deux mois. Ouais, donc ça fait 2 mois. On n'a vraiment pas encore où qu'on aille, on est reconnu, surtout elle. Et donc c'est surtout elle, ouais. Par moments, ça devient, c'est vraiment ça, à la longue, ça devient pénible.
Vous êtes apparu à l'image pendant le programme. Sam est apparu aussi à l'image à chacun des primes en soutenant son frère avec les grandes banderoles, etc. À quel moment vous êtes senti oppressé? Vous vous dites là, c'est pas simplement que ça me dérange, c'est que c'est... Je trouve ça vraiment bizarre, quoi, le comportement des personnes. Oui, c'est assez... C'est étrange, en fait. Bon, on est jamais prévenu de ce genre de choses. Et donc, quand ça vient directement et il n'y a pas... elle revient. Oh, bah alors, vraiment, extraordinaire. Toutes au grand complet, là, c'était... On dormira chez nous ce soir. Vous dormirez chez nous ce soir, pas de problème, pas de problème. On vous laissera la chambre avec ma femme, on ira dormir avec notre fils. Elle est tranquille. Excusez-moi, ça. Je vous en prie. Oui, je ne sais plus ce qu'on disait. On en était aux fans qui sont un peu, qui ont des comportements un peu spéciaux. Oui. Oppressants. Oui. Oui, il y a une petite mésaventure avec deux filles, deux jumelles, qui dormaient dans la rue, devant l'hôtel. Ouais, c'est des drôles de fans quand même pour dormir dans la rue. Ouais. Hein. Donc déjà, moi, j'étais scié. C'était un soir en rentrant de Prime. Je les ai vus à l'hôtel. Donc heureusement, c'est pour attendre déjà. Et un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais chez moi et j'attendais des amis qui venaient donc rendre visite. Ça n'a rien à voir avec l'hôtel, là, cette fois. Pardon? Quelques mois plus tard. Non, mais c'est ces filles-là, en fait. Les mêmes qui sont revenues. Et en fait, ils montent à la maison et ils me disent « Oui, il y a des fans qui sont en bas. » C'est bizarre parce que je sais pas d'où elles ont eu l'adresse. Et donc du coup je regarde par le balcon et je vois donc et je reconnais en fait les têtes des deux jumelles plus une autre. Et en fait donc je regarde, je lui dis bon elles vont se fatiguer, de toute façon il va pas rentrer maintenant, donc elles vont partir quoi. Et donc alors là donc la soirée se poursuit, on joue aux cartes parce qu'on s'éclate chez moi. Donc on joue aux cartes et vers 2h du matin il y a un téléphone qui sonne. C'était les deux petites jumelles, elles avaient 15 ans à tout casser. Hein. Alors je leur dis, écoutez, donc je pouvais pas les recevoir, j'étais pas en mesure de les recevoir. Et puis finalement, j'ai dû envoyer quelqu'un, un ami à moi, je lui ai demandé de descendre parce que j'ai pas osé être méchant. Donc du coup, je l'ai envoyé lui pour leur dire de partir. En tout cas, de sortir du hall parce que j'avais peur qu'un voisin vienne. Quels sont les sentiments qui vous ont traversé pendant cette soirée-là? Au-delà de cette anecdote où on a envie de dire aux mamans, vérifiez bien que... C'est que là, ça devenait un peu n'importe quoi. Voilà ce qui m'a traversé l'esprit. Et vous, Icar? Moi, j'avais appelé leur mère 2 mois avant, et parce qu'elles étaient devant l'hôtel tout le temps. Donc, ouais, ma mère aussi est fan. Ouais. Bah, madame, dites à vos filles de rentrer, quoi. Elles dorment dans la rue, elles dorment dans le resto à côté. Et la mère est pas au courant. Ah bon? Elles dorment pas chez une copine? Non, elles sont là avec les sacs en alu, là, des pompiers. Elles dorment en face, quoi. Vous avez déjà eu peur d'un fan quand vous étiez petite? Ou d'un fan, d'ailleurs, peut-être de jeu? Ça m'est arrivé une fois qu'une fan est retrouvée où j'habite, en fait. Et donc, ça fait peur quand ça arrive de chez soi. Oui, surtout en plein été, tranquille, en maillot de bain. On toque à la porte, j'ouvre. Oui, bonjour, vous êtes Clara? Oui. Enfin, je vous en sous le soleil. Oui, ben, je pourrais prendre une photo avec vous. Vous pouvez me signer un autographe. Il y a mon mari, il y a mon fils qui attend en haut. Vous pouvez... Alors, je ferme la porte, je cours chercher mes parents. Et puis, ben, en fait, on ne sait pas trop comment... Vous avez quel âge? Ben, je devais avoir une dizaine d'années. Ouais. On ne sait pas trop comment aborder la personne. Bah, c'est-à-dire que, ouais. On ne sait pas être brusque parce qu'elle venait de Belgique quand même. Elle avait fait tout le trajet. On ne sait pas trop comment aborder le sujet. C'est par gentillesse en tout cas qu'elle est venue. Donc c'est gentil, mais c'est simplement, elle est venue chez vous. Vous pensiez avoir enlevé votre... Privée, c'est vrai que ça fait peur. Elle vous a caché beaucoup de choses qu'elle a subies à l'école, votre fille. Elle vous a protégée. Elle a protégé sa maman. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Elle a protégé la famille, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a caché? Ben, elle nous a caché toutes les méchancetés qu'on pouvait lui faire, quoi. Quel genre? Dans la cour, des réflexions, de se faire taper ou... C'est rien à vos parents? Une fois. En fait, ça s'est senti parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on est enfant, on ne peut plus le cacher. Moi, c'est vrai que j'arrivais plus, je voulais plus aller à l'école. Voilà. Donc j'ai été vraiment, je freinais mes parents, non, j'ai pas envie d'aller en cours aujourd'hui, j'étais vraiment pas bien. Mais voilà, on sait pas comment aborder la méchanceté des gens en fait. On sait pas comment, pourquoi ils font ça, parce que je fais rien d'extraordinaire. Mais qui vous a tapé, des jeunes, des oui, mais en fait il y a eu des... filles, des garçons? Oui, non, des filles. Mais il y a eu des mots, il y a eu des gestes. Et vous disiez rien à votre maman? Non, il y a eu des exclusions. Pendant un an, je suis restée toute seule à l'école parce que tout le monde avait décidé de ne pas me parler. Et vous disiez rien à votre famille? Rien? Non. Je disais à votre maman parce qu'elle est avec vous aujourd'hui, puis c'est non, la maman. Non, mais... je lui ai dit plus tard. Il y a des choses que je lui ai dites, mais après, il y a des choses que je lui ai dites plus tard. Pourquoi? Pour pas qu'ils s'inquiètent? Oui, pour pas qu'ils s'inquiètent et surtout pour pas
créer plus de soucis, en fait. J'en créais déjà suffisamment par rapport à Sous le Soleil et je voulais vraiment pas en créer davantage. Vous avez 10 ans ? Oui, à peu près. Toujours pour pas déranger, surtout. Mais comment vous l'avez appris ensuite, alors ? Ne pas déranger au détour d'une conversation, un été avec les cousins. Plus tard. En famille, oui, plus tard. Eh bien. Voilà. On va écouter à présent le témoignage d'une femme d'expérience en matière de notoriété. On connaît toute sa famille, son mari, Richard, un de ses fils, Alexandre, et puis Cédric, que nous avons perçu dans une enquête de la rédaction tout à l'heure. Elle a été femme d'eux, elle a été ex-femme d'eux, elle a été maman d'eux. Elle, qui ne voulait surtout pas être célèbre, elle a été servie, on peut dire. Accueillons Sabine Anthony. Bonjour, bonsoir. Ah, vous avez un port de tête absolument incroyable. Merci. Sabine, merci d'avoir accepté notre invitation. En fait, votre Richard Anthony était déjà une star en France quand vous l'avez rencontré. Est-ce que vous avez été séduite à l'idée de vous embarquer, à l'époque, hein, je veux dire, dans une idylle avec ce qu'on n'appelait pas encore un people à l'époque ? Ça n'a pas été vraiment ça, parce que moi, je connaissais déjà beaucoup de people. J'étais déjà amie avec Johnny, Dave, par exemple, qui est devant nous. Oui, absolument. j'étais mannequin, je côtoyais déjà beaucoup ce... J'ai toujours côtoyé le mannequin, moi. Ce métier. Donc, quand Richard est arrivé dans ma vie, pour moi, c'était quelqu'un comme... Bon, il chantait, mais c'était pas... Oh, mon Dieu, je suis devant une star, quoi. Non. Il vous a plu parce que pour l'homme qu'il il était. Il m'a surtout fait 3 enfants absolument sublimes. D'accord, mais pas tout de suite quand même. Pas quand oh, il vous presque. A presque. Ah, d'accord. Le premier, tout de suite. Tout de suite. Oui. Vous étiez groupie, vous étiez fan de pas ce qu'il faisait tout. Pas du tout, je connaissais même pas les chansons de Richard. Tout juste, j'entends siffler le train. Ah bon? Mais il avait déjà chanté Qu'est-ce qui m'arrive ce matin, je suis amoureux de ma femme. Ah non, ça c'était en 1974. Mais il l'a chanté pour vous? On va le dire, oui. Non, c'est vrai. Alors, écoutez, en j'adore 1974, cette chanson. Alors, vraiment, bravo, d'abord. Alors, je vais dire qu'il l'a chantée pour moi et pour toutes les autres femmes qu'il a aimées. Ah oui, oui. On voit que vous avez le discours. On parlait des groupies un peu intrusives, pour utiliser un mot d'aujourd'hui. Jusqu'à quel point elles ont pénétré votre univers? Oh, ça, elles ont bien pénétré, alors. C'est une... C'est un verbe. Il m'est arrivé d'en retrouver une sur le toit de ma maison, ce genre de choses. Arrivé, par exemple, dans un gala où Richard, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Et Richard était parti pour faire un gala, il avait oublié une bande très importante. Donc moi, j'ai pris ma petite voiture. Une bande-son. Une bande-son, oui. Et j'ai pris ma petite voiture, et j'ai dit, il n'y a qu'une seule solution, je vais... foncé. Je suis arrivée, là je suis arrivée à l'hôtel où on m'a dit Monsieur Anthony est parti dîner. Je dis bon, est-ce que je peux avoir la clé de sa chambre? Je vais l'attendre. Et le concierge m'a regardé en me disant non, non, il y a déjà une dame qui l'attend, là vous allez attendre avec. Alors j'ai regardé la dame en question qui était une jeune fille assez mignonne. Je me suis assise à côté d'elle. Elle a commencé à me parler, elle me dit « Mais vous êtes qui ?» Je lui dis « Mais et vous, vous êtes qui ?» Elle me dit « Ah mais moi j'attends Richard, je devais dîner avec lui et je suis arrivée un peu en retard, il ne m'a pas attendue. » Et à ce moment-là, Richard est rentré, il m'a vu, il était un peu embêté. Alors j'ai regardé la fille, j'ai dit « Moi je suis la secrétaire, j'ai filé le truc à Richard et je suis repartie. » Donc ce soir-là, il n'y a pas eu de gala parce que Richard m'a poursuivie. Le gala était annulé. Ah oui. Il s'est dit, là, ma femme est en train de m'échapper. Ah sa femme, il était peut-être amoureux, mais elle était en train de l'échapper très gravement. Mais il avait vraiment rendez-vous avec cette femme? Alors là, l'histoire ne me l'a pas dit, parce que lui, évidemment, m'a dit, mais je ne la connais pas. Après, le peu qu'elle m'avait dit, j'avais l'impression qu'il se connaissait quand même un peu. D'avant, peut-être? Oui. Non, mais il faut dire qu'elle était postière, donc ça me paraît logique. Pourquoi? Elle faisait les villes, elle distribuait le courrier. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas de portable, comme vous disiez. Et voilà. Vous avez connu d'autres aventures, alors qui sont parfois rigolotes, quand on la vit sur le moment, ce que vous avez vécu là, j'imagine, pour une femme, c'est pas rigolo. Ça, moi, j'ai un caractère très heureux. Et à la fois, ça m'a fait beaucoup rire. Même ce soir-là? Oui. Ah bon, d'accord, très bien, bravo. J'étais en colère, mais tout en roulant, et je voyais derrière, avec sa grosse voiture, je voyais les phares et je me disais, roule, essaie de me rattraper. De toute façon, ma voiture est plus puissante que la tienne. Ouais. Alors, continue de rouler. Il n'y avait pas de radar non plus à l'époque. Et il n'y avait pas de radar. Ouais, maintenant, on est brimé. Ouais. Non, ce qui comptait, c'était qu'il vous poursuive finalement. C'était pas cette fille. Oui, mais il m'a poursuivi longtemps. Oui, mais... Bon, parfois, il vous a rattrapé puisque vous avez eu des enfants. Oui. Et à la naissance du troisième, alors vous nous avez raconté une histoire en préparant cette émission. Alors là, la naissance du troisième, Cédric, qu'on a vu tout à l'heure dans le petit reportage,
est né il y a donc 30 ans et il pesait 900 grammes. Wow. C'est-à-dire que c'est... C'était pas viable. Et il est descendu à 620 grammes. Donc, c'était beaucoup d'angoisse. C'est grand prématuré, quoi. Et on ne savait pas si l'enfant allait vivre ou pas. Et j'ai retrouvé un jour à l'hôpital Bretonneau, où il était en couveuse. Il y avait... À l'époque, les paparazzis n'étaient pas là, mais ils étaient là quand même. Et il y en a un qui me poursuivait. C'était pas là. C'est-à-dire que ce n'était pas comme maintenant, il n'y avait pas tous ces journaux. Donc il y en a un qui m'a poursuivi un peu plus que les autres. J'avais... Quand je suis sortie... Du bâtiment, de l'endroit où était mon fils, moi je l'ai poursuivi avec ma voiture pour qu'il me donne les photos qu'il était arrivé à prendre. Il n'a pas voulu, donc je l'ai écrasé. Vous l'avez écrasé, madame? Ah ben je l'ai... Vous l'avez tamponné? Ah oui, je l'ai tamponné, il s'est retrouvé sous les roues de ma voiture, j'ai pris l'appareil photo, je suis partie. Ah, vous avez écrasé l'appareil, d'accord. Non, j'ai d'abord écrasé l'homme, c'est-à-dire que je l'ai... Non. J'ai d'abord bousculé le photographe, ouais, qui est donc tombé. D'accord. Je l'ai bloqué avec les grosses roues de la grosse voiture. Et ensuite, comme il était à terre, j'ai pris l'appareil photo et je suis partie. D'accord, donc l'appareil n'a pas survécu. Et le photographe? Oh, je crois qu'il a eu une jambe cassée. Oh. Un truc. Alors Sabine, vous êtes cash, hein, comme on peut s'en rendre compte. Alors vous êtes venue nous raconter l'aspect plaisant des choses et puis aussi la réalité. C'est-à-dire que vous pensez que la médiatisation, c'est difficile de faire la part des choses, mais vous êtes persuadée que la médiatisation a eu raison de votre couple? Un petit peu. Ben, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a aussi le fait que... Au bout de plusieurs années, plusieurs enfants, c'est comme tous les autres couples. Hein. Il y a un moment où vous avez la routine, et puis la routine, ben... Ça, oui. Voilà. On a reçu Richard Anthony il y a assez longtemps. Dans cette émission, on recevra tout à l'heure des invités, comme on va le faire toute cette année pour la 15e édition, année, l'anniversaire de Ça se discute. Des gens qui sont venus, oui, il est venu il y a quelques années, pas mal d'années déjà. Oui. Parler de ces problèmes qu'il avait connus, justement, après votre séparation à tous les deux. Vous avez plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Clélia, vous aussi, vous êtes maman, je suppose. Oui. Ouais, d'accord. De trois enfants. Trois enfants aussi. Oui. Waouh. C'est vrai pour la France. Hein. Nous avons. Tu sais que maintenant on a des réductions partout avec trois enfants. Ah oui. Tu me donneras l'adresse. Hein. Oui, non mais les femmes ne le savent pas assez. Ah oui. Alors, je ne sais pas si vous avez donné le même conseil à vos enfants, mais vous avez trouvé une solution en tout cas pour éviter de faire en sorte que d'être étiqueté fille de. Ça, vous ne donnez pas votre nom de famille. Ah oui, oui. Pendant une période, oui, j'ai pas donné mon nom de famille, oui, bien sûr. Vous avez pas celui de votre mère ou... Non, j'ai pas de nom de famille. Non, rien. J'ai mis mes initiales qui sont CV, donc. Sur un CV, ça fait bien. Oui, sur un CV, ça fait bien. C'est bien. J'ai pris le nom de mes maris. Enfin, mes maris, j'ai l'impression d'être Eddie Barclay au féminin, tu sais. J'adore mes maris. Non, j'en ai eu deux. Ouais. Mais sinon, non, oui, j'ai caché mon nom, oui, ouais, pour avoir la paix. Alors c'est vrai, quand on vous regarde, plus on vous regarde, plus on voit des airs en commun. Oui, non, c'est mais ça, je oui. Je suis prêt en plus. Et forcément, mais... Et puis ça fait plaisir, parce que c'est joli à voir. Mais alors, quelqu'un qui vous reconnaissait comme étant... Non, mais comme étant la fille de Lino Ventura, il vous disait, mais si, vous êtes la fille de Lino Ventura, qu'est-ce que... Non, c'est pas ça. Moi, j'ai été extrêmement... Enfin, j'ai eu quelques trahisons dans ma vie parce que, justement, je croyais que c'était une véritable amitié ou un véritable amour. Et en fait, je ne faisais qu'être le représentant de quelque chose. Et les gens aimaient cette représentation-là. Je représentais... voilà. Dans les histoires importantes de votre vie. Ah oui. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup meurtri. Oui. Beaucoup. Et moi, j'ai élevé mes enfants en leur disant, écoutez, moins vous direz que vous êtes le petit-fils et la petite-fille de Lino Ventura, mieux vous vous porterez. Alors ici, si vous êtes ici, c'est parce que vous osez afficher, et je pense avec assez, pas mal de fierté quand même, vous avez écrit un bouquin sur le sujet. Trois. En plus. Trois. Qui vous êtes? Est-ce que vous êtes fière désormais du patronyme que vous portez? Ah, mais j'ai toujours été fière. Voilà, c'est la question mal posée. Est-ce que vous l'affichez Oui, maintenant, oui, je l'accepte. Et oui, Clélia Ventura, signé Lino Ventura. Voilà, oui. Ça y est, je l'ai remis, si vous voulez, à sa place de père. Et moi, voilà. D'ailleurs, quand on me dit, mais vous êtes la fille d'eux, je dis non, mon père était Lino Ventura. C'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire?
Parce qu'il est arrivé avant ou parce que c'était voilà, les deux voitures? C'est ça, c'est dans l'ordre. Vous êtes donc la mère de vos enfants et voilà. Avant qu'ils soient les enfants de leur mère. Alors, toute la famille Bernard est finalement restée sur ce plateau. On est très contents. On va tous bien faire la fête après à la maison. Eliane, en tout cas, c'est difficile pour vous de ne pas dire que vous êtes la maman d'Alain Bernard. Depuis son retour des JO de Pékin, il ne se passe pas une journée, j'ai cru comprendre, sans qu'on vous sollicite pour une interview, pour un témoignage, pour ceci, pour cela. C'est un reportage de Corinne Biès et Jean-Pierre Perrin qui ont essayé de comprendre comment on peut dire non. Est-ce qu'on peut vraiment dire non aux journalistes quand on vous interroge sur le succès de votre enfant? C'est compliqué. Reportage à Châteauvieux, vous habitez dans ce petit village des Hautes-Alpes. Et Montilivan qui part un petit peu, il faut tenir Alain. Allez Alain. Alain Bernard qui revient, Alain Bernard qui passe, Alain Bernard oui. Et Montilivan, Alain Bernard est champion. Le 14 août dernier, en remportant 3 médailles aux Jeux Olympiques de Pékin, Alain Bernard est devenu une star. Ce soir-là, Eliane, sa mère, était devant sa télé pour assister à l'exploit de son fils. Depuis, sa vie a changé. Dans son village de Châteauvieux, elle aussi est devenue une célébrité. C'est ta maman? Oui. Ah ben, Vincent, alors ça fait quoi d'avoir un fils Ben, ça fait plaisir. Hein. Quelle émotion, dites. Ouais. Attention, vous êtes alors, une célébrité maintenant. Voilà. Alors. La maman d'une célébrité, hein. Ben oui, ben moi je me suis levé, de Pierre, le petit s'est levé aussi. Je vous ai vu, je m'étais à 4h du matin, j'étais réveillée. Oui, mais... J'étais chez moi, t'as là. Voilà. Ah, oh, on a lu un article. Ouais, en train de faire du surf, c'est super. C'est comme ça tous les jours, quand je viens chercher mon journal, mon pain, les gens me reconnaissent. Depuis les Jeux Olympiques, la boîte aux lettres d'Eliane est toujours pleine. Mais là, impossible de rivaliser avec le champion. Alors, Bernard Alain, Bernard Eliane, Bernard Alain, Alain Bernard, Alain Bernard. Il n'y a que du courrier pour lui aujourd'hui. Je vous félicite pour l'exploit au JO de Pékin de votre fils Alain. J'aimerais, si possible, recevoir une carte photo de votre fils dédicacée à mon nom. La première fois, j'en ai reçu 4 en même temps. J'ai été étonnée. J'ai eu beaucoup de joie, la fierté d'avoir réussi à faire quelque chose de mon fils. Bah écoutez, il n'est pas bon là. Ça fera un souvenir. Bon, je ne vais pas l'afficher, mais bon, je la garderai roulée, mais ce sera un bon souvenir. Tout ce qui concerne Alain, je le garde le plus que je peux. Ce sont des journaux entiers que je garde. Avant les JO, oui, il était médiatisé, mais pas à ce niveau-là. On est un peu dépassé, et qu'il est beau. Aujourd'hui, c'est la fête à Châteauvieux. Alain Bernard doit enfin rentrer chez lui. Le maire a vu les choses en grand, il a invité tout le village pour l'occasion. Eliane est un peu dépassée par les événements. Alors, je vais vous montrer d'abord le petit mot qu'on a prévu de distribuer dans les boîtes aux lettres pour avertir la population. Ensuite, je vous avais parlé, si c'était possible, d'une séance de dédicace. Il y a un autre cadeau que nous remettrons à Alain. Ça a été fabriqué par un artisan de Gap, Alain Bernard, de la part de la commune de Châteauvieux. C'est voilà. Super, merci beaucoup. Et enfin, gamin, il y aura une petite protection par le biais de la gendarmerie. Et il y aura également un point sécurité, c'est-à-dire si jamais il y a un problème, un débordement, ou quelqu'un qui fait un malaise, il y aura donc la présence de la Croix-Rouge. Et puis, naturellement, j'avais évoqué ça avec vous aussi, on voudrait quelque chose qui reste. Alors, je proposerai à Alain de donner son nom au terrain de sport qui se trouve sous la salle des fêtes. L'heure tourne et Alain doit arriver d'une minute à l'autre. Eliane est particulièrement stressée, elle en perd même sa boucle d'oreille. Jut, elle est passée. Elle n'a pas revu son fils depuis qu'il est parti pour Pékin, il y a 2 mois et demi. C'est la première fois que j'attends Alain comme ça, avec impatience. Ah, c'est pas le même, il est parti sportif, il revient champion, grand champion. Comme il est mondialement connu, c'est stressant, oui. Enfin, on va essayer de rester calme. Ça y est, le champion rentre au village.
leurs retrouvailles, le fils et sa mère ont tenu à leur intimité. Ils n'ont pas souhaité être filmés. Nous les retrouvons 2 heures plus tard. Voilà, bon, ben, j'ai porté des cartes pour, voilà, pour signer, là, comme tu m'avais demandé. Pour ah, d'accord, c'est super. Et un peu de tout. Regarde, c'est ça qui m'avait fait le club, et ça, c'est ce qu'elle fait à l'Open. Ah, ben voilà, oui. Bon, j'espère c'est qu'elle super. M'aura assez, parce que quand j'aurai signé tout ça. Oui. Alain reste un sportif avant tout. Il a du mal à s'habituer à sa notoriété. Je suis content, c'est que ça, qu'on parle de natation en fait. Mais je préfère quand on parle de natation plutôt quand on parle de moi. Parce que moi je fais ça parce que j'aime ça depuis des années. Maintenant, voilà, il y a le côté un peu lourd de la chose. Mais je suis prêt à assumer les conséquences tant que ça reste dans le milieu sportif. Quoi. C'est lourd à vivre parfois, vous avez envie. Oui, bien sûr. Des fois j'ai envie de tout lâcher, de tout envoyer. Mais... Tant que ça reste positif dans un bon esprit, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à donner mon temps et voilà. Quoi. 18h, il est temps de rejoindre la salle des fêtes. Oh putain, il y a du monde jusque là. Eh oui. Des dizaines de journalistes ont fait le déplacement. Pour Alain. Mais pas seulement. Et voilà. Vous avez vu que votre maman est autant interviewée que vous ? Bah ouais, je vois, tant mieux. Je sais pas ce qu'elle peut raconter, mais moi j'ai fait confiance. Je me tarde d'être à demain et les jours suivants pour que ça redevienne tout calme. Je vais couper mon téléphone, je vais plus répondre là maintenant. Je crois qu'on a assez donné et on va le garder un peu pour nous. Si on peut revenir sur l'image juste avant qu'on avait à l'écran, parce qu'on vous voit bien devant et puis en lui bien derrière. Eh oui, mais chacun son tour. Oui, Vous voyez des côtés négatifs, vous, à la célébrité de votre fils aujourd'hui ? Non, pas beaucoup. Même pour vous, dans votre vie ? Non, ça a été un peu lourd au début, mais bon, maintenant, ça y est, ça se calme. Et lui, il continue à s'entraîner. Il a repris. Alors au début, c'est par exemple cette nuit du 14 août ? Là, c'est qui a tout déclenché, donc c'est, oui. Tout le monde a suivi ça, hein, je crois. Oui. Non ? Cette course mythique, on n'oubliera jamais. Comment ? Peut-être pas en direct, tout le monde. Peut-être pas en direct, parce qu'il était un peu tôt oui, le matin. Ouais, c'était quelle heure ? 4h30 le matin, oui. Beaucoup de gens se sont levés, quand même. Ouais. Beaucoup de gens l'ont vu ensuite. Pareil. Combien de caméras pour chez vous, pour vous filmer pendant cette course ? Ben, toutes les caméras de toutes les chaînes de télé. La 2, la 3, la LCI, Canal+, la 5. Ben... Chez vous ? À la salle des fêtes. Chez vous, dans votre village, pas chez vous, dans votre salon. C'est... Non. Monsieur le maire avait décidé de mettre un écran géant dans la salle des fêtes et de réunir les personnes qui voulaient venir. Comment vous l'avez vécu, ce moment-là ? Quand on a vu le résultat, parce qu'il y a eu ce petit souci. Vous avez un souci plaisir. Technique, mais alors c'est incroyable, ouais. Ça. On n'a pas vu la course. On était tous là et au moment de quand elle était sur le plot, il y a un journaliste, j'ai vu un journaliste qui a accroché le fil de l'écran et donc il n'y avait plus rien. On était comme ça. On a suivi la course avec un téléphone branché sur une radio. Ouais. On ne savait pas, on entendait champion olympique, mais bon. On ne savait pas qui. On ne savait pas si c'était Sullivan, si c'était Alain, si c'était un autre. Puis quand on a dit c'est Alain, ça a été l'explosion de joie. Ouais. Ah, merci de venir encore devant des caméras aujourd'hui, parce qu'après ce qu'ils vous ont fait quand même. Comme quoi, il faut laisser sa deuxième chance à tout le monde. Hein. Merci de nous donner la nôtre. Yanis aussi y était, le petit. Tu étais Yanis aussi ? T'as rien vu non plus alors ? Vous l'avez vu quand la course ? En fait, on l'a vu sortir de l'eau, Alain. On l'a vu sortir de l'eau et... On s'est dit au moins, il n'est pas noyé déjà. Dans les bras de Nelson. Mais nageuse, hein. Mais on l'a vu au moment où il sortait de l'eau, donc quand il levait les bras, et puis voilà, on a eu l'image finale. Ah oui, quand il a été avec Nelson Montfort. Il y a vraiment la un air de famille. Accolade. Ouais. Il y a vraiment un air de famille, dans toute la famille. Yanis y compris. Hein. Il paraît, oui. Oui. On te l'a déjà dit, non ? Il a sommé. On te l'a déjà dit que tu ressemblais un peu à ton oncle. Ouais. À parrain. À ton parrain, en plus. Même gabarit quand tu étais petit. Même gabarit quand tu étais petit, oui. Parce que là, maintenant, il va falloir faire un peu du sport. Hein. Et il était comme ça. Ouais. Tatouage, c'est pas pour tout de suite, il faut être plus grand pour ça. Oui. Bah, bonne chance, en tout cas, merci à lui d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Sam, vous êtes venu accompagner votre frère ce soir. Vous expliquez pourquoi vous l'avez soutenu, pourquoi aujourd'hui vos chemins doivent se séparer. Est-ce que vous avez une angoisse particulière pour l'avenir de votre grand frère maintenant qui va voler de ses propres ailes? Alors j'arrête avec les jeux de mots sans surnom. Ouais. Forcément, on a toujours peur. C'est vachement fragile comme type de carrière. Et est-ce que les gens vont suivre? Est-ce que ceux qui l'aiment vont continuer à l'aimer? Est-ce que ceux qui ne l'aiment pas vont continuer à ne pas l'aimer? Parce qu'il y en a, beaucoup. Et voilà, non, mais je me fais pas de soucis. Là, il est en train de préparer son album et il fait. J'ai confiance en l'équipe avec qui il travaille. Alors, je vais me demander d'abord à vous quels sont vos projets, Sam. Moi, mes projets, déjà terminé mes études. Vous en êtes où? Pour commencer, je termine, il me reste un an. Là, je rentre en dernière année. Ensuite. Ah, vous êtes surpris là quand vous posez la question. Hein. Oui, je suis surpris. j'ai pas réfléchi. Alors, j'ai posé la question à Icar, ça vous laisse le temps d'y réfléchir. Pour lui, je réponds pour vous. Ben là, je suis en pleine immersion dans l'enregistrement de mon album depuis maintenant 2 mois, comme on a pu voir 2-3 extraits. J'espère qu'il sortira courant 2009. Mais là, dans les médias, j'ai... Pardon ? C'est long déjà d'attendre toute l'année 2009, peut-être ? Non, ça peut être dans 3 mois. Ah, d'accord. Ça peut être début 2009. Enfin, 2009, je n'ai pas trop de précision. Je prendrai le temps qu'il faudra, en tout cas, pour essayer de sortir un rendu précis de ce que j'attends vraiment de mes chansons, sans bâcler les choses. Mais là, dans les médias, j'ai amené un petit quelque chose avec moi pour ressortir de votre écran d'ordinateur... Ah oui. Un petit truc, donc je vous fais une petite surprise très rapidement. Enfin, je crois qu'ils sont dans le coin, là. Ah, j'étais pas au courant. Je sais que vous ne êtes pas au courant. Merci. Mathieu Mendes. Ah Adrien ouais, Sambon. D'accord. Dites que c'est une surprise, sinon tout le monde va penser que je suis au courant, j'ai des frissons. Absolument pas au courant de. Non, parce qu'au début de l'émission, j'ai dit que j'aimais bien l'émission. Je vous l'ai dit avant l'émission, puis je me suis dit, tiens, j'aime pas les gens qui le disent pas à l'antenne. Après, je vous l'ai dit pendant l'émission que j'aimais vraiment beaucoup la chanson de Bang Bang. Donc, je les ai appelés, ils étaient à Lille et lui à Avignon, ils sont venus illico presto, juste à l'instant, là. Ils étaient pas. Merci. Attendez, Icar. Qui a vu Icar interpréter Bang Bang, la chanson qui avait été créée par la fille de Frank Sinatra, Nancy Sinatra? Vous l'avez vu, non? Suivi, mais je me souviens pas forcément de ce moment-là. Ah ouais, moi, j'ai suivi. Je me souviens que de ça, moi. Ah. Et de Virginie, qui était très bien aussi. Non, je plaisante pour les autres artistes. Personne se souvient de cette chanson? Vous connaissez Bang Bang, Eliane? Si, ça se souvient. Oh, ça va. Ils sont engueulés ici. Hein. Icar, quand vous voulez. C'est super, je suis content. She was 5 and I was 6. Rode on horses made of steel. She was black and I was white. She would always win the fight. Bang bang, shot me down. Bang bang, and I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, she used to shoot me down. Mais ça, on connaît tous, vous avez dit que vous connaissiez tous. Ouais, c'est bien. Ah, voilà, je vais vous montrer un truc qu'on ne connaît pas encore, j'espère quand même. Ah, d'accord, avec plaisir. Ça s'appelle Allison, c'est un extrait de mon premier album. La course est folle, folle, et c'est à perdre haleine que je piétine mon rôle en convoitant ma reine. L'envie me dévore fort. Ça me démange, je m'ennuie de toujours garder le nord. En mire de ma vie, Allison sonne, sonne dans ma tête comme une douce mélodie qui jamais ne s'arrête, non, qui jamais ne s'enfuit. Mon corps résonne, non, 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 dans mes veines, bah, cette douce mélancolie. Si j'en abuse quand même, à me rapprocher paradis. Une vie de soleil, c'est un désastre, mais la lune me répond, dis, ne suis-je pas un bel astre? Il y en aura un pour toi aussi, et celui-ci ronronne à ton oreille meurtrie. Mélodie qui jamais ne s'arrête, non, qui jamais ne s'enfuit.
quoi on résonne. Non, 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 dans mes veines, cette douce mélancolie. Si j'en abuse quand même, à me rapprocher du paradis. Nanana, nanana, ah, ah, ah. Oh, oh. Sonne, sonne dans ma tête comme une douce mélodie qui jamais ne s'arrête, non, qui jamais ne s'enfuit. Mon corps résonne, na, 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 dans mes veines, mais cette douce mélancolie. Si j'en abuse quand même, à me rapprocher du paradis. Alison. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Adrien Campo. Merci beaucoup. Merci. 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 Asseyez-vous, asseyez-vous, restez là pour la fin de l'émission. Merci beaucoup, Lucas. Bon, c'est, merci. C'est une surprise que il paraît que vous donnez l'annonce, parce que Jean-Baptiste m'a dit ça dans mon oreille, qu'ils vous ont proposé, vous avez tout de suite dit oui pour Bang Bang. Donc avec je viens plaisir. De l'apprendre à l'instant, donc je suis vraiment content. J'ai vu aussi Sam vous regarder chanter. D'abord, je trouve que votre chanson est vachement bien, si je peux me permettre, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression qu'elle accroche bien cette chanson. Enfin, ouais. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'entends, faut que j'entende le reportage, un petit peu, mais c'est tout. Et je vous parle avec mon cœur, hein, je vous dis, sinon je vous dirai rien, vous voyez. Et j'ai vu ça, vous écoutez avec beaucoup d'attention. Je suis épaté aussi par le grand cœur de votre frère. Alors visiblement, vos parents ont bien fait leur boulot. Excusez-moi, Dave. Je... Non, je disais, j'aurais une reproche à faire à cette chanson. Je trouve ça un peu facile de prendre un prénom pour une chanson. Je sais, oui. C'est vrai, c'est pas bien. Merci, Vanina. Pardon. Dave. J'essaie juste de marcher sur vos pas. Hein. Je suis désolé. J'essaie juste de marcher sur vos pas. C'est bien. Là, t'as 30 ans devant toi, ça peut être. Moi, non, j'ai de la marge. Pas mal, pas mal. Ça fait rêver. Et c'est tout à fait possible, hein. J'aimerais mieux être à sa place qu'à la mienne. Hein. Oh, ah bon? C'est en plein âge, oui. Vous êtes sûr? Si. Sûr? Parce si, que si. C'est bien quand même de voir tout ça dans le rétroviseur, quand même. Oui, mais c'est il, reste un privilège, hein. Il reste beaucoup moins devant moi que... Ah, mais on peut pas être et... Et avoir été. Ah bah si, si, si. La preuve, vous, si, vous êtes si. Là. Merci, vous êtes là pour ça. Marjorie aussi prépare un nouvel album solo. Alors ça, quand on a été un artiste de groupe et qu'on a la chance de pouvoir faire un nouvel album, c'est quelque chose de très important pour vous, j'imagine, Marjorie. Énorme. Et je vous souhaite bonne chance. Vous voulez dire un petit mot là-dessus? Oui, je veux dire un petit mot. Je suis très heureuse d'être ici aussi pour avoir toutes petites minutes pour en parler, surtout pour remercier les gens qui m'ont soutenue et qui ont cru en moi à une vie après une belle histoire Sam, en c'est... groupe en fait. Voilà. Et j'ai beaucoup travaillé, ça fait 2 ans que je suis dessus et je viens récemment d'être signée et l'album est quasiment fini et le single va quasiment sortir à la fin de l'année. Ça s'appelle comment la chanson le premier extrait s'appelle Sexy mais sans âme. Ok, ma bonne chance à vous aussi Marjorie. Merci. Delphine et Delphine. Merci. Donc Delphine joue au théâtre, on l'a dit. Est-ce que Gérard Depardieu est déjà venu vous voir jouer au théâtre? Oui, il est venu l'année dernière quand je jouais dans Délit de fuite avec Roland Giraud. Il est venu et ce qui était très drôle, c'est que c'était lui la célébrité. Quoi. Là, c'était lui qu'on regardait, puis la pièce que je regardais par le trou du... Par le trou de. Bah surtout si vous n'étiez pas sur scène, c'est normal. Que... Ah oui, même quand voilà, les autres. Avant, jouaient... en fait. Avant, non, avant, avant, avant. Et les avant, gens avant, étaient avant, comme non. Ça, dans le couloir, c'était un peu avoir un autographe. Finalement, et pendant c'était... Et bien pendant. Moi, j'ai cru mourir de peur. C'était la première fois qu'il me voyait jouer. Donc en plus, c'était la captation. Et en plus, il y avait Gérard dans le public. Alors là. La captation, c'est-à-dire que c'est le soir, on filmait pour la télévision. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, c'était très impressionnant. J'avais très peur. Je l'avais dit à personne pour que personne ne soit stressé. J'avais tout pris sur les épaules. Et alors, après, vous avez réussi à bien jouer. Enfin, vous avez réussi enfin, à vous oublier à vous de... Enfin, oui, j'ai essayé. Et puis, je suis allée vers lui après en lui disant alors, les conseils, qu'est-ce que j'ai pas fait bien qu'est-ce qui... Et il m'a dit non, non, c'est très bien, continue, tu fais ton travail, tu es touchante, continue ton travail comme ça. Voilà. C'est sympa, quand oui, ça reste sympa. Simple comme ça jusqu'au bout, fantastique. Oui, toujours comme ça. Toujours comme ça. Delphine, vous voulez nous dire un petit mot sur la suite de votre carrière, tout en étant tout en vos bac. Études. Ouais, ben voilà. Ça, passé c'est une carrière, bac. Ça. Oui, c'est très intéressant. Ouais. Ouais. Passer mon bac et après, ben, je verrai par la suite. Mais le bac, là, maintenant, c'est... Ah oui, vous ne regardez pas comme ça, Luce, bien et sûr, oui, c'est important. C'est je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Chaque étape. Bravo, très bien Delphine, bravo.
Je propose de passer à présent à notre rendez-vous anniversaire. Donc, ça se discute, fête cette année sa 15e année. Et ouais, cette émission s'enrichit donc année après année. À chaque numéro, nous proposons de retrouver maintenant des invités qui nous ont émus, qui nous ont marqués, qui parfois, parfois vous avez demandé vous-même des nouvelles d'eux à nos équipes et on vous en donne volontiers. Donc, vos premiers invités de ce soir pour ces 15 ans vont réagir d'abord au thème de ce soir puisqu'ils sont directement concernés par le sujet. Nous accueillons donc Sébastien et sa femme, Cindy Sander. Alors, rebonsoir à tous les deux. Cindy, on vous avait reçu sur ce plateau donc, en janvier dernier sur le thème célébrité, quel est le prix à payer. Alors, notre équipe était venue vous suivre pendant le fameux casting qu'ont fait Sam et Icar. Vous aussi, vous l'aviez fait. Est-ce que vous aviez croisé Icar et Sam? Non, pas du tout. Non, à l'époque, non. Sébastien, vous êtes devenu. Alors, vous étiez déjà venu à l'époque, hein, je me souviens très bien. Vous étiez dans le public juste là, je crois. Hein, c'est ça. Hein. Vous étiez le mari d'une sacrée célébrité déjà, parce que au moins pour vous. Et aujourd'hui, vous le partagez volontiers avec d'autres personnes. Alors, la vie a été chamboulée. On a parlé des avantages, on a parlé des désagréments, de la célébrité pour l'entourage, donc du point de vue de Sébastien, Cindy, ce soir. Les plus, les moins. Si vous aviez à faire un tableau de la vie d'un conjoint de célébrité, qu'est-ce que vous diriez parmi les traits principaux? Parmi les traits principaux, par rapport à la célébrité, je dirais qu'il y a de gros avantages. Il y a quelques inconvénients, c'est sûr. Mais je veux dire, être le compagnon d'une célébrité, je pense que ça a plus d'avantages que d'inconvénients. Alors les inconvénients, pour rebondir sur tout ce qui a été dit Les inconvénients d'être le compagnon. Bon, moi, c'est un peu différent par rapport aux autres, parce que déjà, dans un premier temps, c'est vrai que Cindy a été mise à la lumière du jour au lendemain. Elle a été mise tellement à la lumière que la lumière est un petit peu venue vers moi. Et c'est vrai que quand on parle de Cindy Sander, automatiquement, on parle de son mari. Donc vous partagez votre histoire. Voilà. Je suis rarement mis de côté. Il faudrait que ça donne des idées. Hein. En comparant au futur mari de... Oui, Pierrot. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est déjà un avantage. L'inconvénient, ben, c'est comme inconvénient. Il y a eu un désagrément, en fait, c'est quelqu'un qui voulait vous prendre votre place. Ah oui, ça c'est un gros inconvénient. On ne va pas trop en parler ce soir. C'est un inconvénient si Cindy est d'accord, mais si elle n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. Ah, non, c'est... Non, c'est un type qui était un peu... Oui, il était un peu fou, il nous a harcelé pendant des mois. En fait, il m'a menacé de me tuer si je ne quittais pas ma femme. Voilà. Non mais voilà, on a eu beaucoup d'appels. Il voulait se marier avec vous, Cindy ? Oui, il voulait, il nous appelait toujours à la même heure. Il y avait souvent des voitures qui passaient très doucement. Je me doute que c'est lui, il savait très bien où j'habitais, il m'a décrit ma maison de fond en comble. Il a menacé ma mère. Il a menacé toute notre famille. Ouais. Famille. Ça s'est calmé depuis ? Ben, on est allé porter plainte et ça s'est vite... Ça, c'est un inconvénient par exemple. Voilà. Constate à personne, c'est pas une bonne idée. On regarde ensemble ce reportage, ça commence sur le plateau de Ça se discute, ça se poursuit ensuite à l'hôpital. Alors l'hôpital, je précise que c'est là où vous habitez. C'est le nom de votre ville, en Moselle. Léa Lemozov et Franck Tussolini ont découvert votre nouvelle vie de nouvelle star. Voilà. L'équipe de 16 Discute avait eu un coup de cœur pour cette parfaite inconnue qui rêvait de devenir une star de la chanson. C'est quelque chose qui est en moi, j'ai envie de réaliser mon rêve. J'ai besoin de réaliser mon rêve, j'y crois très fort. Je sais que je suis prête pour ça. Vous l'avez reconnue, c'était bien Cindy Sander. Nous l'avions suivie les quelques jours qui précédaient son casting pour La Nouvelle Star. La voici en pleine répétition, coachée par son mari. Il ne faut pas qu'on aille dans du Céline Dion, dans du... Je suis malade, Serge Lama, du Lara Fabian, c'est pas la peine parce que ça, demain, il y en a au moins 200 qui vont chanter. Bon, écoute, fais voir la Shakira. Underneath your clothes, there's a man let's story. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des gaufres, comme prévu? Ouais, bien laqué et bien bouclé. Étant coiffeur, j'aime bien que ma femme soit toujours très bien coiffée quand elle se présente à un casting parce que le look, c'est très important. Vous auriez vu la tête qu'elle avait quelques années avant. Ah oui. Je pense qu'elle n'aurait jamais pu passer un seul casting. Bah, j'étais brune. Tu avais une permanente en J'avais une permanente assez crépue, pas jolie du tout. J'avais beaucoup de kilos en plus. J'avais des dents de travers. Et puis on a travaillé tout ça. On a travaillé sur les ongles, l'esthétique. On a changé la couleur de cheveux. C'est grâce à lui. Hein. J'aurais pas pensé à tout ça. La suite, tout le monde la connaît. Malgré son échec au casting de La Nouvelle Star, Cindy se fait remarquer.
elle enregistre son premier single, l'incontournable Papillon de lumière. Un an plus tard, nous retrouvons Cindy. Depuis notre première rencontre, pas mal de choses ont changé. Et notamment pour Sébastien, son mari. Il a quitté son travail à l'usine pour se consacrer entièrement à son rôle de manager. Alors là, mardi, on va tourner un petit truc pour la téléphonie mobile. D'accord. D'accord. Ensuite, on va faire une séance auto-maquillage. J'ai demandé ce qu'il y a une coiffeuse sur place, etc. Ils m'ont dit il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, tu fais cette grosse émission de télé. Sur une grande chaîne, avec une grosse visibilité. Je veux dire, c'est l'heure où tout le monde regarde et je pense que c'est une bonne émission populaire et je pense que ça, ça va faire en sorte que on te voit encore plus. Voilà. Mon boulot à moi, au jour d'aujourd'hui, bah, c'est d'entretenir la célébrité de Cindy. Voilà. Mais c'est vrai qu'aussi, la célébrité, c'est très fragile. Ça peut s'arrêter demain, on peut se lever demain matin et tout est fini. Pour l'instant, tout va bien. Sébastien a même réussi à décrocher une émission de télé-réalité à la gloire de Cindy. C'est diffusé chaque semaine sur une chaîne câblée et ça s'appelle Bienvenue chez les Sanders. T'as vu ? Regarde, regarde, regarde ! Ça fait quand même bizarre de se voir à la télé. Ouais, hein. Ouais. Bien. Qui l'aurait cru ? Surtout que tu vois en plus avec un logo et tout, vraiment. Oui, on sait que c'est vraiment que c'est ton émission. C'est notre émission. Ouais, c'est notre programme. J'aurais dû penser à rentrer mon ventre avant vous. Oh, quand je m'assieds. Aujourd'hui, Cindy est l'invitée vedette d'une émission de télé régionale. Pour son mari manager, chaque prestation doit être parfaite. Il est intransigeant. Tu te laves pas les cheveux ? Non. Parce que ils sont quand même gras. Tu crois que ça va tenir jusqu'à ce soir ? Mais non, ils sont pas gras, écoute. Parce que sinon, je connais, ce soir, arrive au plateau, ça va être tout plat. Toi, tu veux enlever la frange ? Oui, moi, je voulais faire un truc un peu plus différent, tu vois. Non. Non. Pourquoi ? Bah parce que c'est pas toi. C'est pas moi. Ouais. Non, mais... que ça va toujours Cindy Sand. Le problème, c'est que si je joue trop avec mes cheveux, je vais avoir tout gras. Bah, ça, de toute façon, ça, c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'avais dit, si tu les laves pas, une demi-heure après, sans doute tout gras. Non, c'est pas vrai. S'ils sont coiffés et que j'arrête de passer ma main dedans, ils sont pas gras. Non, mais ce qu'on va faire, on va pas paniquer maintenant. Faites les faire raides comme au concert qu'on a fait la semaine dernière. Mais toi, raide, frange, raide, on va faire comme ça parce que là. Non. Bon, je vais m'habiller. Alors ? Ouais. Tu veux essayer la robe un coup aussi ? Oh, tu me saoules avec ta robe noire, c'est ça. Si je mets ça dessus ? Non. T'as déjà chanté avec ça, j'aime pas le... Ah, j'ai jamais chanté avec le pantalon et ça. Non, tu dis des conneries, Sébastien. Si, tu as déjà chanté avec ce haut-là. Là, je préfère. Ça sera beaucoup mieux pour ce soir. Le fait qu'elle soit toujours bien habillée, au top et tout, bah c'est le rôle de l'agent, du manager, même le rôle du mari, hein, je veux dire, c'est quand même un rôle primordial. h 21, arrivé au studio. Sébastien vérifie que tout est en place pour la répétition. Ils vont mettre en place, hein. Ouais. Là, juste sur le plateau. On a fait une balance. L'heure du passage de Cindy a sonné. Elle semble détendue, c'est son mari qui stresse. Cindy assure, Sébastien est fier d'elle. Franchement, t'étais tip top, t'étais la meilleure, comme d'hab. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime tout fort. Et je prie fort le Seigneur qui nous écoute et qui fasse en sorte que ça dure. C'est émouvant. C'est moi. C'est sûr que c'est moi. Je crois que c'est vous, ouais. Je suis méchant. Hein. Ah non, on sent que vous êtes investi en tout cas dans ce que vous faites. Vous êtes très complices tous les deux, c'est beau à voir. C'est rare hein, dans ce métier. Et puis on sent que bah, ça a commencé comme ça et je sais pas, on a toute la certitude que ça va continuer comme ça. Ben, on va se battre. Vous allez vous allez le faire ensemble. On va tout faire pour que ça continue. Vous avez une chance très rare de pouvoir le vivre comme ça, mais cette chance-là, vous ne la devez qu'à vous deux. Donc dans ce sens-là, vous n'avez personne d'autre à remercier que vous. La chance, il faut savoir la provoquer aussi. Bravo et bonne chance, Cindy. Content de vous avoir aidé.
Merci. Alors, Christian, bienvenue, Christian. Allez, salut, Jean-Luc. C'est en 99 qu'on s'est rencontrés. Oui. Ouais, ça ne rajeunit pas. Non, ça ne rajeunit pas, il y a déjà 9 ans. Oui, 9 ans déjà. Alors à l'époque, manger en grande quantité, c'était le seul moyen pour vous d'apaiser vos angoisses. On va voir ça. On va regarder un extrait du Ça se discute d'il y a 9 ans où on était ensemble. C'est un moment très important pour vous parce que vous aviez plusieurs angoisses dans la vie, et notamment celle de sortir de chez vous. Oui, agoraphobie. L'agoraphobie, voilà, la peur des grands espaces, peur de la foule. Alors venir sur un grand plateau comme ça, c'était, je me souviens, une étape importante de votre vie. Exact. Où en êtes-vous aujourd'hui? Regardons d'abord ces images. Faire demi-tour parce que c'est trop dur. On est à combien de votre maison là? On doit être environ à 2 km, je crois. Il y a 10 ans, Christian était venu nous parler de ses angoisses. Boulimique et agoraphobe, il avait beaucoup de mal à affronter les regards et le monde extérieur. Je précise que vous avez tenu à vous asseoir dans ce coin du plateau, vous connaissez l'émission. Oui. Vous vous êtes dit là, je me sentirais plus quoi. C'est exact, parce que ici, je me sens plus à l'aise pour sortir si nécessaire. La boulimie de Christian commençait dès le petit déjeuner. Il lui fallait 500 grammes de pain beurré et il ne sortait jamais sans un sac rempli de tartines. Excusez-moi, je vais encore chercher 2 tartines parce qu'il n'y en aura pas assez. Vous en avez d'avec vous ? Elles sont là, oui, parce qu'elles m'accompagnent. Elles sont ma sécurité autant que les médicaments. J'en ai besoin quasi continuellement. Mais la présence de vos tartines dans votre sac vous suffit ? Vous n'avez pas besoin d'en manger toutes les 5 minutes pour vous ? Ça dépend. Vous en avez mangé depuis le début de l'émission ? Par exemple, bon, j'y ai pas touché. Oui. Hein, et bon, ça va comme ça. Mais c'est sûr que si elles n'étaient pas là, ça irait beaucoup plus mal. Dès qu'il sortait seul, Christian était sujet à des crises de panique. Il avait constamment besoin de ses repères. Pour aller, il faut que je choisisse l'endroit où je marche. Comme ici, le long d'un mur, ça va. Alors là, ce que j'ai comme repère, sont d'abord les pots de fleurs ici, et ensuite les voitures qui sont stationnées, qui vont m'aider à traverser la place. Au prix de beaucoup d'efforts, Christian arrivait tout juste à faire le tour de son village. Pour venir ici, ça a été difficile ? Jusqu'ici, parce que du nord jusqu'à Paris, il y a quand même quelques kilomètres. Ce matin. Il y a près de 300 kilomètres. Il y a près de 30 ans que je ne me suis pas éloigné de plus de 60 kilomètres de chez moi. Alors vous imaginez ce que ça peut représenter pour moi aujourd'hui, cette émission. Vous avez toujours votre sac avec vous, Christian ? Oui, j'ai toujours mon sac avec moi. Ouais. Mais il y a eu énormément de progrès sur le plan agoraphobie. Et ça, c'est merveilleux. Ouais. Et alors maintenant... Alors maintenant, c'est tout différent. Avec des aides encore, entre guillemets, soit mon fils, on est parti en vacances. Parce que bon, il se sent sécurisé aussi. Il faut quand même des sécurités. Quand votre fils est là, vous vous sentez en sécurité quand il y a des plus de gens... Pour des grands déplacements. Là, on est allé en Savoie. Donc, on est parti à 2 voitures. Et sachant que mon fils lui disait « Bon, ben, on peut refaire demi-tour, tu peux compter sur moi, il n'y a pas de problème. » Bon, ben, ça a aidé. Ouais. Et ben, tu peux y aller, je veux dire, aussi par là que tous ces progrès, si vous voulez, de partir 15 jours et de revenir à la maison, ça a donné de la force aussi pour d'autres choses pour Christian. Les enfants ont joué un rôle très important. Oui, bien sûr, parce que, vous savez, j'ai 3 enfants, maintenant 6 petits-enfants. Ça passe. Et comment donc ils jouent un rôle très important parce qu'il n'y a jamais eu un jugement de leur part. Ils m'ont toujours respecté, ils m'ont toujours encouragé. Alors c'est pourquoi je veux apporter aujourd'hui un message d'espoir. N'avez jamais baissé les bras aussi, hein. Ils peuvent être fiers de vous. Non, maintenant je vis. C'est toute la différence. Maintenant je vis. Avant je survivais. Maintenant je vis. C'est pourquoi vous ne savez pas à quel point je suis heureux d'être ici. Oh, mais écoutez, il y a 9 ans, je n'aurais pas su être une impossible. Non, mais oui. C'est un plaisir qui est largement partagé. Parce que vous savez, je dois beaucoup. C'est vrai, j'avais envie de dire à tout le monde, oui, il est possible, on peut souffrir, mais il est possible de s'en sortir. Aussi. C'est pas facile, je ne suis pas Superman, mais il est possible.
En s'accrochant, en se battant, et en étant bien encadré aussi. Et vous parlez pas de vous, vous parlez pas de vous là. Non. Vous pourriez, mais vous ne le diriez pas comme ça. Merci Mado, merci Christian. Autre souvenir avec Hélène maintenant. Célibat, cadeau ou fardeau? C'est la question que nous vous étions posée en mars 2005 avec Hélène qui est avec nous ce soir. Alors à l'époque, vous veniez de rencontrer un homme à l'occasion d'un rendez-vous express, on n'a plus le droit de dire le nom parce que c'est devenu une marque, un de ces tête-à-tête organisés pour les célibataires qui ne dure que 7 minutes. Et qu'est-ce qui peut se passer en 7 minutes là? Est-ce qu'il peut y avoir encore des choses après? Qu'est-ce que vous dites? Pas le temps de faire un enfant. Non, pas le temps de faire un enfant, Madame Anthony. On prend de vos nouvelles après ces images de votre donc, premier passage en 2005 à notre émission. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, je ferai pas une maladie. Il y a 3 ans, Hélène et Eddie étaient venus nous raconter leur premier tête-à-tête lors d'une soirée de rencontres express. Le principe, chaque célibataire fait 10 rencontres à la suite. Pour chacune, il dispose de 7 minutes chrono pour séduire. J'ai repéré Hélène en arrivant et je me suis dit, il faut que je sois assis... dès le départ, en face d'elle, j'avais envie de lui parler, voilà, tout simplement. De faire la première rencontre de la soirée avec elle. Ouais. Avez-vous repéré ce jeune homme également? Pas en arrivant, non. Non. Ce n'était pas très bien parti, mais Eddie a su optimiser ses 7 minutes de tête-à-tête. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je me rappelle plus très très bien des conversations qu'on a eues pendant ces 7 minutes, ça va relativement vite. Hein. Et là, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est vrai que j'avais envie de le retrouver après la conversation. Attendez, parce que d'abord la règle du jeu. Ces soirées de rencontres ont des règles précises. Aucun échange de numéros. S'il y a une ouverture, c'est l'organisateur de la soirée qui informe les participants le lendemain par mail. C'est quoi un mail? Ah oui, quand même. Oui, on part de loin là. Non, je sais pas, je demandais. Non, j'ose plus. On part de loin avec Mathilde. J'ose plus. Un mail, c'est une lettre qu'on reçoit par informatique. D'accord. Je suis née avant. Elle n'est pas merveilleusement romantique? Oui. Comment s'est passé le dîner? Bah bien, c'est assez rapide aussi parce que moi je prenais l'avion le soir même donc. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai pas arrêté de l'appeler. Lui envoyer des SMS. Ah ça je connais. Les couples qui se sont rencontrés dans ces soirées suscitent toujours beaucoup de curiosité. C'est vrai que les gens ont toujours un petit sourire en coin, sont curieux des circonstances de la rencontre. Et de savoir comment ça fonctionne. Et de savoir comment ça va fonctionner dans le futur. Et comment ça va tenir, oui. C'était il y a 3 ans et demi. Ouais. Vous avez revu le bel Eddie? Bien sûr, il est à côté de moi, figurez-vous. Ah bon, d'accord, c'est lui alors, très bien. Bonjour. C'est lui que vous regardez depuis 20 secondes, voilà. Sur ce plateau, mais que vous regardez depuis 3 ans et demi dans les yeux, quasiment. Exactement. Et ben, on a fait notre chemin ensemble, on a appris à se connaître. Puis 2 ans plus tard, on s'est mariés et il y a 1 an, on a eu une petite fille. Waouh, c'est super. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez faire passer à propos peut-être des célibataires? Parce que souvent, ils embêtent un peu les couples et tout ça, etc. Justement, c'est un message de... Enfin, notre histoire est plutôt positive, quoi. Donc, on a envie de faire passer un message d'espoir. On est toujours un petit peu dubitatif sur ces nouveaux modes de rencontre. Ouais. Donc, on n'a pas eu peur d'y aller. On a passé un bon moment. Ça a débouché sur une belle histoire. Donc que ce soit par mail, que ce soit par texto, que ce soit par texto, par... Pour Mathilde, jamais, tout ça. Comment? Ne jamais dire jamais. Ouais. Vous semblez très amoureux tous les deux. Très amoureux, content d'être là. Alors c'est super parce que ça aussi se passe quelque chose, c'est contagieux. Hein. Oui, oui. Vous avez les yeux qui brillent tous les deux, je ne sais pas si tout le monde s'en aperçoit. Et on a trouvé super sympa pour au niveau de vous, Jean-Luc et votre équipe, d'avoir pensé à nous pour 5 ans après nous dire passez nous voir. Quoi. Ouais, ouais. Un peu moins de 5 ans, c'était en 2005, en mars 2005, 3 ans et demi. Entre temps, marié avec des enfants. Merci Christian, merci Cindy, merci à tous les entourages, à Sébastien, à Mado et évidemment aussi à vous, Eddie. Je voulais juste te dire une chose. Alors vraiment, tout ce que vous voulez. Profitez de la présence de Dave. Ah oui, ah bon? Pour alors quel enchaînement, parce qu'il va conclure l'émission, merci beaucoup. Avant de rencontrer Hélène, j'étais marié, donc divorcé, et j'ai eu un fils qui s'appelle Swan. Ah, c'est mignon. Non. Mignon. Ah, je savais pas. Alors, c'est pas Vanina, hein, mais... Non. Mais c'est du côté de chez Swan. Mais oui, c'est... pour un garçon, c'est dur à porter vers Nina. il est temps de conclure cette émission. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette émission sur les célébrités? Vous avez parlé un petit peu de vous et de la personne qui vous accompagne.
Oui, en fait, je pense que les mots sont tombés, surtout avec ce monsieur, du Secret Story, que je n'ai pas le plaisir de voir. Mais en effet, je pense qu'il y a deux choses. D'une part, on a affaire ici à des gens, en gros, je parle pour les artistes, qui sont des artistes qui font l'artiste et qui ne voulaient pas devenir riches et célèbres. Ça, c'est déjà une nuance à faire. Moi, je voulais devenir chanteur, je ne voulais pas devenir célèbre. Je pense que c'est une énorme différence. Maintenant, je comprends très bien que, pour des raisons ludiques, on a envie de passer à la télé et se faire reconnaître, mais ça n'a qu'un temps. Et maintenant, tous les jeunes chanteurs et chanteuses ont compris, quand ils participent à ce genre d'émission, qu'ils sont regardés, donc tout est déjà faussé là-dedans. Maintenant, ce n'est pas vraiment le sujet de l'émission. Moi, j'ai un très bon exemple régulièrement. Je pars en tournée là, avec mon manager qui s'appelle Michel Haber, et il travaille pendant un mois, deux mois, avec des gens en amont, au téléphone, par courrier. Les gens lui parlent avec beaucoup de respect, et quand il arrive, il n'existe plus. On ne parle plus qu'à moi. Et c'est moi qui vais mettre les choses en place à chaque fois. Parce que on est ensemble, on n'est pas en couple, mais c'est le manager et l'artiste, c'est très important. Vous êtes un couple, c'est encore autre chose. Alors c'est les deux en même temps, en fait, là. Mais oui, voilà, c'est vrai. Mais bon, moi, je vis avec mon parolier, c'est aussi, mais on travaille ensemble aussi. Donc. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut surtout que, puisque le public nous regarde, qu'il se souvient de ce que veut dire respect et voir... Respect. Oui, respect, quoi. Il n'y a pas de mot plus fort, je crois. Hein. C'est dans tout, d'ailleurs. Mais oui, dans tout. Dans tout. Mais n'enjambez pas les gens qui sont avec les artistes. Ne les poussez pas, quoi. Laissez-les vivre aussi. Et dites juste bonjour, au lieu de dire bonjour. Avoir les idées un peu plus larges, quoi, voir un petit peu. Mais c'est pareil, artiste ou pas artiste, d'ailleurs. Hein. Si on voit quelqu'un de spécialement remarquable visuellement, on va oublier de regarder ce qu'il y a à côté. Voilà, ma pensée, ouvrez un peu le regard. Moi, je ne vais pas spécialement avoir le mot de la fin, mais je me suis promis, à chaque fois que je passe à la télé, vous en faites ce que vous voulez, puisque l'émission n'est pas en direct. Et ça fait partie des considérations et le respect aussi. Mettez votre clignotant. Voilà, c'est mon message à moi. Je rappelle, Dave, que vous entamez une grande tournée pour fêter vos 30 ans de succès sur scène. Ouais. Donc tout le monde peut venir vous voir. C'est voilà, partout dans tout le pays, en Belgique, en Suisse également. Effectivement, on n'est pas en direct ce soir. En fait, on est en direct une fois sur deux. Donc on se retrouve dans 15 jours en direct pour un nouveau numéro de Ça se discute avec un nouveau thème et puis avec des invités qui viendront célébrer avec nous 15 ans de Ça se discute. Merci. Et bonne fin de soirée. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Bonsoir. Merci. Votre couple traverse une crise, vous songez à vous séparer. Vous rêvez de vous marier, mais votre conjoint hésite. Marié depuis longtemps, vous ou votre conjoint êtes tenté par l'infidélité. Après avoir traversé des épreuves, votre couple est considéré comme un modèle de réussite. Toujours en couple à plus de 60 ans, vous n'avez jamais renoncé à votre sexualité. Contactez-nous au 01 53 84 30 55 ou par email.